Bonjour, bienvenue à tous au nom de Docto Technologies. Je vous souhaite la bienvenue. Merci de votre présence, de votre participation, de votre intérêt à ce petit déjeuner qui a suscité un petit enthousiasme. Hein, plus de 500 personnes inscrites. Donc merci de votre intérêt. Je vous rappelle les éléments habituels de conférences, de réseaux sociaux et de tweets si vous voulez avoir le Wi-Fi et suivre l'événement sur Twitter avec le hashtag OctoEvent. Alors, je vais avoir le plaisir donc de commencer cette matinée. Nous serons quatre intervenants ce matin. J'aurai le plaisir de commencer cette matinée, suivi par Benoît Lafontaine, notre directeur technique, qui vous parlera des challenges notamment et de l'état un petit peu des différentes solutions autour de la blockchain, suivi par Adrien Pigeot, qui nous parlera de quelques usages, quelques exemples d'usages autour de la blockchain. Et nous terminerons avec Yann Rouillard, qui a pris le risque énorme de vous faire une petite démo pour se mettre en situation. Qu'est-ce que ça veut dire, voilà, quand on est développeur autour de la blockchain? Et j'aurai le plaisir de vous dire un petit mot de conclusion avant que nous n'ayons une discussion en fin de présentation. Donc on va parler de la blockchain. C'est cette fameuse infrastructure derrière le Bitcoin. Alors, tout le monde a déjà plus ou moins entendu parler du Bitcoin. Il s'est passé la chose suivante. On a beaucoup parlé du Bitcoin et puis au fur et à mesure, ces deux dernières années, on a de plus en plus parlé de « mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce Bitcoin ? Comment ça fonctionne ?» Et c'est là que la question de la blockchain, cette infrastructure qui opère et qui permet le Bitcoin, est devenue un petit peu plus visible. Un petit peu plus visible jusqu'à le point actuel. Pardon. Jusqu'au point actuel où ça devient un peu le buzzword. C'est la blockchain partout, dans les différents magazines, essentiellement économistes, que ce soit Bloomberg ou The Economist. Bientôt, vous aurez la blockchain dans Gala et dans Paris Match, soyez-en sûrs. Donc vous êtes là en avant-première. Si autant de monde s'intéresse à la blockchain, c'est d'abord parce que c'est une promesse. Promesse qui reste à réaliser, mais c'est quand même une grosse promesse. C'est comme si quelqu'un, pour faire une métaphore, voyait un site web et se dit « c'est formidable ce site web » et puis au bout d'un moment il comprendrait que « mais on peut en faire plein des sites web, on peut faire plein de choses ». C'est un peu ce qui s'est passé avec le Bitcoin et la blockchain. On a vu le Bitcoin, ce que ça faisait, et quand on a regardé l'infrastructure, on s'est dit « mais on pourrait faire plein d'autres choses ». Et finalement, le Bitcoin, c'est une application sur la blockchain, et sur cette infrastructure, nous pourrions faire plein de choses. Donc, c'est une période de promesses, d'attentes, beaucoup de prophètes également, et notamment celui-ci, pour ceux qui connaissent un petit peu Octotechnologie et l'événement USI. Vous avez pu entendre l'été dernier à l'USI, donc c'était au Louvre, Salim Ismaël, qui est un ambassadeur de l'Université de la Singularité. Vous savez, cette université qui regroupe des gourous, des grandes sociétés comme la NASA, Google, etc. Et le boulot de Salim Ismaël, c'est de regarder toutes les technologies et sur l'échelle, non pas de Richter, mais de l'échelle de la disruption, d'essayer de voir celles qui ont le potentiel de disruption le plus important. Et il nous dit « The blockchain is the most disruptive technology I have ever seen. » La technologie la plus disruptive que j'ai jamais vue. Alors forcément, ça attire l'attention. Mais la question, c'est immédiatement, qu'est-ce que va disrupter cette technologie? Alors là, la plupart du temps, on présente un petit peu tous les secteurs d'activité qui peuvent être impactés par la blockchain. Je vais essayer de ne pas faire cet exercice-là de catalogue, mais d'essayer de donner une définition de ce qui peut être disrupté en termes d'activité par la blockchain. Je pense que ce qui peut être disrupté, c'est fondamentalement tout ce qui relève du domaine du transfert. Toute économie qui repose à un moment donné sur le transfert. Alors qu'est-ce que c'est le transfert? Moi, je suis comme vous. Quand je veux en savoir un peu plus sur un mot, je vais voir mon Émile Littré, le fameux dictionnaire de la langue française, l'étymologie. Je pense que vous avez tout ça sur vos applications Android ou iPhone.
Et on peut y lire que transfert, c'est un terme d'origine juridique et financière. Qu'est-ce qu'on transfère ? Des droits, des actions, des biens, de la monnaie, etc. Tout ce qui relève du transfert. Si votre activité, à un moment donné, a un rapport avec ce type de procédure, d'acte, vous êtes potentiellement disrupté par la blockchain. Ce transfert, cette question du transfert, on pense bien évidemment aux banques. Dès qu'on parle Bitcoin, blockchain, ce sont les banques, les activités financières qui sont d'abord concernées, mais on voit très rapidement, avec l'émergence de la blockchain, que c'est beaucoup, beaucoup d'autres secteurs qui sont concernés. Cette question du transfert, il faut la comprendre d'abord, je crois, comme un jeu d'écriture. Alors on pense évidemment au jeu d'écriture comptable, par exemple, mais nous, notre activité d'ingénieur, de développeur, d'architecte des systèmes d'information, nous sommes en permanence dans des jeux d'écriture. Écrire du code, où est-ce que le code est joué, dans quelle application, les messages, l'activité épistolaire que s'envoient les applications quand on veut intégrer les différentes applications, les différents systèmes entre eux, tout ça, c'est la correspondance. Ce sont des jeux d'écriture. Et comprendre ce qui se passe, c'est savoir d'abord comprendre que ce sont des jeux d'écriture. Alors, puisqu'on parle de jeux d'écriture, c'est un jeu d'écriture particulier, la blockchain. Il y a ce personnage-là, Luca Bartolomeo Pacioli, donc je vous ai donné des dates. Il est contemporain de Leonardo da Vinci. C'est d'ailleurs un ami de Leonardo da Vinci. C'est de cette époque de la Renaissance, des ingénieurs. On attribue à Pacioli la paternité d'une technique particulière, d'un jeu d'écriture particulier, qui est la double écriture comptable. Vous savez, aujourd'hui, quand on fait la comptabilité, dès qu'il y a une dépense, on inscrit une recette. Et il faut que la somme, la différence entre les dépenses et les recettes soit égale à zéro, c'est ce qui permet d'avoir une comptabilité qui est à peu près claire. Ce n'est pas une mince affaire, quand même, ça. Parce que c'est ce qui a permis à la Renaissance l'essor du capitalisme, mine de rien. Bon, en regardant d'où vient l'origine de ce jeu d'écriture qui est la double comptabilité, on pourrait remonter potentiellement jusqu'aux anciens Égyptiens. Mais l'histoire retient plutôt Pacioli, d'abord parce qu'il a fait part de cette découverte-là, de cette technique, en utilisant une autre invention technologique, qui était l'invention du livre imprimé. Donc c'est un des premiers livres qui a été imprimé, c'est celui qui a permis la diffusion du capitalisme, notamment c'est d'expliquer dans un livre imprimé, donc grâce à Gutenberg, cette technique d'écriture. Mais toujours est-il qu'avec cette technique d'écriture, il faut que quelqu'un tienne le stylo, l'écrive, qu'il y ait un registre et qu'il y ait une organisation qui maintienne ce registre. On est toujours dans cette organisation tripartite entre, d'un côté à gauche, il y a des techniques et des technologies, que j'appelle ici de transfert, qui ont des impacts sur une économie, que j'appelle ici également de transfert. La technique a toujours des impacts sur l'économie, et l'économie a toujours un impact sur les technologies, mais les deux sont quand même distincts. Et la plupart du temps, celui qui articule, qui ajuste les deux, c'est un organisme, une organisation, par exemple une banque, qui va s'assurer et qui va faire la médiation entre ces deux activités que sont la technologie, ces deux périmètres que sont la technologie et l'économie. Ce qui se passe fondamentalement avec la blockchain, c'est qu'il y a une fusion. Et c'est ça, très certainement, la nouveauté de la blockchain. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jeux d'écriture automatiques qui vont porter l'économie, et c'est relativement nouveau. Vous allez le voir très vite, quand vous allez voir un petit peu tout à l'heure la démo de Yann, le développeur qui développe une application sur une blockchain doit prendre en considération d'entrée de jeu des éléments d'économie. Faire appel à une application, ça a un coût. Le développeur va devoir, dans ses procédures, dans la manière dont il développe, dans la manière dont il fait appel aux différentes applications, aux différents smart contracts, comme on va le présenter, le développeur doit intégrer d'entrée de jeu ses enjeux économiques. La plupart du temps, ce n'était pas encore le cas. Et donc là, il y a une fusion qui est en train de se passer entre technologie et économie, automatisation de l'économie via la technique, qui n'est pas nouveau, on est dans une tendance, mais là, ça devient une réalité. Et bien évidemment, ça porte un certain nombre de questions sur ces organisations, les organisations qui font la médiation entre la technologie et l'économie, leur rôle, leur positionnement, leur activité est potentiellement remise en cause. Et c'est pour ça qu'on parle essentiellement de disruption. Ça ne veut pas dire qu'il y a une disparition, mais en tout cas, ça repose à nouveau frais la question de qu'est-ce que c'est finalement une organisation, quand elle est découplée notamment
de cette fusion qui s'opère, notamment au niveau de la blockchain. Alors, comme on parle beaucoup de blockchain, forcément, on met de la blockchain à toutes les sauces. Ça devient un buzzword et il y a ce petit effet, comme disent les Anglais et les Américains, « lipstick on a pig », c'est-à-dire que n'importe quoi devient blockchain, puisque c'est le mot à la mode, c'est le buzzword. Donc, ce que nous vous proposons ce matin, c'est d'essayer de gagner en discernement. Très rapidement, quand on commence à avoir une petite connaissance du blockchain, de la manière dont ça fonctionne, c'est peut-être le cas d'un certain nombre d'entre vous, on en arrive à cette question, mais finalement, qu'est-ce qu'est une blockchain et qu'est-ce qui n'est pas une blockchain? Quels sont les éléments dirimants qui nous permettent de dire c'est une blockchain, c'est pas une blockchain? Alors pour ce faire, je me propose de repartir des textes fondateurs, et notamment de ce mystérieux personnage, Satoshi Nakamoto, une personne, ou vraisemblablement plusieurs personnes, donc ce n'est pas lui, à un moment donné, les médias se sont parlés de cet ingénieur américain d'origine japonaise, mais il y a eu une confirmation sur les réseaux. À un moment donné, Satoshi Nakamoto a dit « je ne suis pas cette personne-là ». Bon, on est passé à autre chose. Plus récemment, si vous avez suivi la presse, il semblerait que ce soit des Américains ou des Australiens qui soient derrière ce pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Donc je reviens ici au texte fondateur que vous pouvez retrouver dans ce livre, « The Book of Satoshi », qui rassemble l'ensemble des écrits du papier original sur le Bitcoin, mais aussi tous les messages qu'il a publiés sur les forums, essentiellement des forums crypto-anarchistes. Alors, je pars de là et j'essaie de voir, à l'origine, qu'est-ce qui permet de dire, quelles sont les caractéristiques clés d'une blockchain. Et j'en retiens 8 avec cet octogone, pour rester avec le vocabulaire octo, cet octogone de la blockchain. Ce que j'ai mis en encadré, c'est ceux sur lesquels je vais revenir un petit peu plus rapidement. Donc voilà, 8 caractéristiques qui permettent de dire, dès le début, ben voilà, ce qui caractérise une blockchain, c'est notamment ça. Moi, j'ai des petits effets de Larsen, je ne sais pas si vous les entendez. Ouais. Alors, j'essaie d'écarter un peu les micros, et j'espère que ça sera un petit peu mieux. Premièrement, bon, on présente la plupart du temps la blockchain comme un registre de transactions publiques, et distribué, je vais en dire un mot. Ensuite, très rapidement arrive le vocabulaire des mineurs, des miners. Hein. Ce sont les miners qui sont les nœuds de ce réseau distribué, qui l'opèrent et qui le font fonctionner, j'en dirai un mot. Derrière, troisième caractéristique importante, c'est que la synchronisation de tous ces serveurs dans un réseau distribué se fait par les logs. Alors j'entends parler log pour ceux qui ne sont pas forcément informaticiens, mais je pense que tout le monde a entendu parler des logs à un moment donné. C'est en gros le journal de bord. Hein. Quand vous avez une application qui crache, qui tombe en panne, vous allez regarder la log, c'est-à-dire le journal de bord, où vous avez l'ensemble des événements timestampés qui se sont déroulés et qui vous permettent de rejouer un petit peu les événements et de comprendre ce qui a pu se passer. La plupart du temps, dans les systèmes d'information, on distingue un certain nombre de patterns, essentiellement 4, de gabarits, si vous voulez, d'intégration entre des systèmes ou des applications différentes. Soit les applications peuvent s'intégrer au niveau des interfaces utilisateurs, au niveau de ce que voit l'utilisateur, au niveau des IHM, c'est par exemple les technologies de type portail, soit les applications, les systèmes s'intègrent un petit peu plus bas, au niveau des process, avec des outils de type business process management, workflow. On peut aussi faire l'intégration entre les systèmes ou les applications au niveau des services, tout ce qui est web service, API. On peut aussi intégrer les applications directement au niveau des données, au niveau des bases de données, avec des outils de type ETL. Mais on peut aussi, et ça c'est une tendance qui est majeure, en tout cas pour moi, je crois qu'on partage ce point de vue, on peut intégrer différents systèmes à partir des logs, c'est-à-dire à partir des journaux de bord. C'est une tendance que vous retrouvez par exemple dans les architectures réactives, peut-être que certains ont vu le petit déjeuner que nous avons organisé le mois dernier autour des architectures réactives, des architectures événementielles, qui la plupart du temps intègrent des systèmes dans une logique de flux par les logs, avec un outil par exemple Kafka, qui est un outil, est un framework qui permet de faire de l'intégration par la log. Donc tous ceux qui sont amenés à développer des systèmes d'information très sollicités, avec beaucoup d'événements, c'est par exemple le cas dans tous les logiciels et tous les systèmes de réseaux sociaux, sont amenés à avoir une approche d'intégration par la log, et c'est aussi le cas, comme on peut le constater, dans le cadre de la blockchain. Caractéristique suivante, des arbres de Merkel. Alors, je vais rentrer dans les détails, je ne suis pas non plus un expert de ça, mais on va dire que les arbres de Merkel, c'est ce qui vous permet de découper des gros fichiers en petits fichiers, très utilisés dans tous les protocoles d'échange peer-to-peer.
Si un jour vous avez téléchargé des fichiers en peer-to-peer, vous voyez que vous avez des petites portions qui s'agrègent au fur et à mesure. Donc un gros fichier est découpé en des petits fichiers. Et les arbres de Merkel, ou on l'appelle aussi H-tree, permettent de vérifier la cohérence et la consistance de tous ces petits fichiers pour s'assurer que quand tous les petits fichiers sont regroupés, vous allez réussir à reconstituer le fichier original. Ensuite, c'est un consensus via une loterie décentralisée utilisant la preuve de travail. J'y reviendrai dans un instant. Bien évidemment, il y a la dimension cryptographique, et la plupart du temps, on présente le Bitcoin et la blockchain en insistant sur la crypto. Oui, il y a besoin de la crypto, mais ce n'est pas le plus important pour moi ici. C'est un protocole de broadcast aussi qui est utilisé, parce que, nous allons le voir, quand un mineur de la blockchain rajoute des transactions à cette blockchain, je comprends qu'il y a des choses qui ne sont encore pas très claires dans mon vocabulaire, j'espère que petit à petit je vais les éclairer. Mais vous pouvez être sûr qu'à la fin de cette matinée, vous aurez plus de questions qu'au début. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les questions que vous aurez à la fin seront un petit peu plus affûtées que celles que vous aviez peut-être au début. Ce sera un formidable succès, vous nous direz tout à l'heure. Donc c'est un protocole de broadcast. Quand un mineur sur la blockchain dit « Hey, je fais passer des nouvelles transactions et donc je le rajoute dans ce livre de comptes partagé et distribué », il doit prévenir tous ses petits copains sur le réseau « Eh oh, eh oh, c'est moi qui ai écrit la transaction ». Donc il faut un protocole de broadcast pour arroser tout le réseau et qu'on passe à une transaction suivante. Il y a un petit langage de script qui était prévu dès l'origine, c'est-à-dire la possibilité d'avoir dans ces logs, même dans ce journal de bord, du script, c'est-à-dire du code qui peut tourner, donc une application. C'est ce qui va nous permettre derrière de parler aujourd'hui de smart contrats et de mettre des contrats sur la blockchain. On va voir ce que ça veut dire. Alors, les trois éléments que je voulais rapidement évoquer avec vous. Donc c'est un registre distribué, la blockchain, et public de transactions. Public. Qu'est-ce que ça veut dire public? Public, ça veut dire déjà, dans ce vocabulaire, dans ce contexte, que on n'a pas besoin de demander la permission d'aller sur la blockchain du Bitcoin et de faire des transferts en Bitcoin. Personne qui vous a donné l'autorisation. Et en ce sens-là, c'est public. Mais comme toutes les technologies qui deviennent un peu des buzzwords, on assiste à un phénomène auquel vous avez largement assisté, notamment autour de tout ce qui était le cloud computing. Au début, c'était public, tout le monde pouvait y accéder, et puis hop, on a tout remis en place. Ah oui, mais il y a un cloud public, privé, hybride. Donc vous allez être confronté à ça dans les prochains mois et peut-être même les prochaines années. Mais tu parles de quelle blockchain? La blockchain du Bitcoin, la blockchain que tu vas mettre dans ton entreprise, la blockchain qui peut être une blockchain de consortium. La tendance aujourd'hui, si vous suivez un peu l'actualité autour des blockchains, c'est de faire des consortiums de blockchain. Vous avez le consortium des banquiers, par exemple, le consortium des assureurs, le consortium des acteurs du tourisme, le consortium des acteurs des médias et du copyright, par exemple, qui essayent de se rassembler parce qu'ils ont des intérêts communs et se disent « nous pourrions utiliser cette technologie blockchain pour favoriser les échanges entre nous, parce qu'on doit avoir des échanges entre nous, mais quand même, fondamentalement, on ne se fait pas totalement confiance. Donc, on doit travailler ensemble. » Et la blockchain, finalement, c'est la solution de travailler ensemble avec des acteurs dont on n'a pas forcément confiance, mais on doit quand même faire des transactions, et pas simplement des transactions monétaires, tout type de transactions, transactions de droit, transactions de propriété, etc. Fondamentalement, c'est assez surprenant quand même, parce que la blockchain, c'est une technologie qui permet de faire des transactions avec des acteurs qu'on ne connaît pas et en qui on n'a pas confiance. Alors quel est l'intérêt de mettre une blockchain dans une entreprise? A priori, tout le monde se fait confiance, tout le monde a des droits d'accès, etc. Quel est l'intérêt de mettre une blockchain dans un environnement privé? Puisque la blockchain, c'est pour faire des transactions dans des environnements qui ne sont pas sécurisés, avec des acteurs qu'on ne connaît pas. Et la vertu de la blockchain, c'est de sécuriser cette transaction. Donc public, de moins en moins. Et je pense que beaucoup d'acteurs qui sont là sont des représentants ou travaillent dans des organisations privées ou publiques. Et ce qui vous intéresse la plupart du temps, c'est comment je pourrais utiliser cette technologie dans mon environnement ou avec mes partenaires. Ce qui est une façon de réagir en se disant « je ne vais pas me faire disrupter par la blockchain parce que moi je vais la réutiliser d'une certaine manière ». C'est un argument qui est peut-être valable. Un registre distribué, une petite illustration qu'on trouve partout et que je vous ressoumets.
Bon, voilà, à gauche, différents acteurs qui doivent, à un moment donné, faire des écritures. Je vous rappelle que ce sont des jeux d'écriture. Mais il n'y a qu'un endroit où on fait des jeux d'écriture, c'est le registre qui est centralisé, maintenu par une institution. Quand on passe à une blockchain, ben, le principe, c'est que le livre de compte, tout le monde l'a. Et donc, tout le monde peut voir toutes les transactions, depuis la première transaction, le premier bloc, dans la blockchain, qu'on appelle le bloc Genesis, début 2009. Donc la première chose que vous faites, par exemple, quand vous allez sur la blockchain du Bitcoin, vous avez remarqué que je dis à chaque fois la blockchain du Bitcoin, parce que petit à petit, nous allons être amenés à parler de la blockchain qui n'est plus la blockchain du Bitcoin, une autre blockchain. Il y a une émergence des blockchains, et on parle aujourd'hui d'explosion cambrienne de la blockchain, c'est-à-dire qu'il y en a plein de blockchains. Mais le principe est celui-ci, et d'ailleurs si vous voulez faire des transferts et utiliser Bitcoin, la première chose que vous faites, qu'est-ce que c'est? Vous téléchargez le registre. Difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il commence à être un petit peu volumineux. Je ne sais pas à combien en année, mais on est autour de 60 gigas peut-être. 60 gigas, donc il faut télécharger tout le livre de compte depuis la première transaction. Et ça a une certaine taille. Mais une fois que vous avez téléchargé ce petit livre de compte, après ce sont juste des petits ajouts, le transfert est fini. Donc le livre de compte, il est partagé. Tout le monde l'a sur son ordinateur et tous ceux qui participent au réseau, les mineurs, parce que ce sont eux qui écrivent concrètement dans cette blockchain, ils ont tous bien évidemment ce livre de compte et il est partagé. Il ne faudrait pas imaginer que les créateurs et les concepteurs du Bitcoin et de la blockchain ont mis en place un système et puis après, par hasard, se sont dit « Oh, mais on pourrait se passer d'une institution centrale ou d'un organisme qui certifie, qui centralise. » Non, non, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient se passer d'institution centrale. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension qui est éminemment idéologique derrière cette disruption technologique. C'était le cas déjà pour Internet. Vous connaissez tous l'histoire que Internet est né de l'armée américaine, d'ARPA. Oui, c'est un discours, mais il y a un autre discours. Notamment celui qu'a mis en lumière Fred Turner dans son livre « From Counterculture to Cyberculture », traduit en français depuis un an ou deux, je crois, de la contre-culture à la cyberculture, qui explique un petit peu tout ce milieu de la contre-culture hippie, fin des années 60, qui s'est emparé des technologies et qui finalement sont devenus un peu plus tard les grands patrons du digital, et je pense notamment à Steve Jobs, vous allez voir pourquoi. Autour de cette communauté-là, un catalogue, qui était le premier catalogue de vente par correspondance, The Whole Earth Catalogue, dans lequel on retrouvait des geeks qui expliquait comment on pouvait fabriquer quelque chose, ça pouvait être des tentes, des communautés, en gros comment on pouvait utiliser la technique et la technologie pour produire un modèle de société qui était largement utopiste et qui était totalement différent. Là vous avez une image de du catalogue du dernier, je crois que le dernier c'était en 1972, ça a duré 4 ans ce catalogue, qui a fédéré vraiment toute la communauté de la contre-culture. Et derrière, en couverture, vous n'arrivez pas à lire, mais je vais vous le lire, « Stay hungry, stay foolish ». Si vous connaissez un petit peu la biographie de Steve Jobs, vous savez que c'est une expression qu'il a reprise, qui était un clin d'œil, à finalement toutes les démarches de contre-culture dans lesquelles il était bien évidemment lui-même très très fortement inscrit et présent. « Stay hungry, stay foolish ». Ça, c'était pour les idéologies qui ont poussé à l'émergence et à l'innovation, au sens où l'innovation, c'est faire diffuser une technologie dans la société. Pour Internet, il se passe exactement la même chose pour le Bitcoin, avec d'autres mouvements idéologiques. Ici, on est confronté aux Anonymous, et à ce qu'on appelle les libertariens, les techno-libertariens. Techno-libertariens, c'est le patron de Google, c'est le patron d'Amazon, c'est Peter Thiel, c'est Elon Musk, tous ces gens-là. Dans cet imaginaire, donc là vous retrouvez à gauche par exemple le type d'iconographie qu'on peut retrouver sur le web, Iron Man, mais vous retrouvez aussi le logo du Bitcoin, Anonymous pour celui de gauche, Iron Man parce que c'est celui qui incarne la technique, la technologie, Iron Man parce que c'est celui qui peut sauver le monde à lui tout seul, pas besoin du gouvernement, parce que fondamentalement derrière il y a cette idéologie d'une forme de liquidation de la puissance publique, qu'on ne voit pas. Pas très bien, nous, de l'Europe, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes registres culturels. Mais souvenez-vous, par exemple, de Ronald Reagan qui disait « L'État, ce n'est pas la solution, c'est le problème. » C'était toujours cette rhétorique.
à un moment donné, la centralisation dans un État, dans un gouvernement, dans une institution, la culture américaine, ça fait un vrai problème. Donc vous avez toutes ces idéologies qui sont présentes, et le Bitcoin s'inscrit dans cette démarche-là. À droite, vous avez une photo de... C'est une femme, parce qu'on m'a fait la remarque. Ayn Rand, qui est une auteure américaine, très, très influente, très connue aux États-Unis, absolument pas en France. Parmi les deux livres les plus connus aux États-Unis, c'est la Bible et un de ses romans qui s'appelle Atlas Shrugged en anglais, qui a été traduit aux belles lettres en français, je crois, il y a 2 ans. C'est très récent et qui est d'actualité, ça s'appelle La Grève. Je vous conseille de le lire. Bon, 1200 pages, hein, c'est pour ça que je le comparais aussi à la Bible. Mais tous les Américains, si vous voulez comprendre quelque chose au rapport des Américains à la technologie et à la question de la puissance publique et de la politique, il faut lire ce livre-là, sinon on ne comprend pas. C'est la Bible de tous les libertariens que j'ai évoqués, les patrons d'industrie, du digital, d'aujourd'hui. Donc ça peut être utile de la connaître. Derrière donc les mineurs. Alors on parle de la blockchain, mais la blockchain c'est une technologie, toutes ces petites technologies, là, du peer-to-peer, du broadcast, de la cryptographie, mais finalement c'est des choses qu'on connaissait déjà. La blockchain c'est aussi concrètement le registre, le livre de compte. Et ce livre de compte il est fait dans un certain nombre de blocs que vous voyez ici représentés en noir. Depuis le bloc originel, le bloc Genesis, et vous constatez tout de suite que c'est une ligne droite. Il y a bien à un moment donné la tentative d'avoir des alternatives, des bifurcations, mais un livre de compte ne tolère absolument pas toute forme de divergence. Je dis ça parce qu'on pourrait faire le parallèle entre, par exemple, ce qui se passe dans la communauté open source. Je mets du code à disposition, et il y a une partie de la communauté qui n'est pas d'accord avec la tendance que prend le développement d'une application. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un copier-coller du code, et partent sur leur branche, hein, c'est-à-dire sur, ils font une dérivation, un fork en anglais. Il n'y a pas de ça dans la blockchain. La blockchain, c'est one way. Et si effectivement, à un moment donné, dans la manière dont on s'ajuste, on peut se retrouver dans des situations très temporaires où hein, on ne sait pas quelle va être la branche qui va survivre, vous voyez ici les branches en violet, à un moment donné, elles ont été arrêtées et stoppées, et elles deviennent caduques, elles ne sont plus prises en considération. Donc la blockchain, ce n'est pas quelque chose qui permettrait, par exemple, de tracer des polémiques, des divergences, qu'elles soient scientifiques, politiques, etc. La blockchain, c'est one way. Ces mineurs, donc, toutes les 10 minutes, ils produisent un nouveau bloc, ils rajoutent un nouveau bloc. C'est leur rôle. Ils minent. Et en rajoutant un nouveau bloc, ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés par quoi? Par la monnaie de la blockchain. En l'occurrence, le Bitcoin. Mais on va voir qu'il y a d'autres monnaies. Il y a d'autres blockchains. Donc ce rôle des mineurs, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, mais on va dire que c'est ceux qui écrivent ce journal de bord distribué. Et il y a une écriture toutes les 10 minutes. Quelque chose qui, pour moi, est le génie de Satoshi Nakamoto et le génie de la blockchain. Et qui amène à cette situation que j'évoquais tout à l'heure, au sens où on se retrouve à la technologie qui est en fusion carrément avec l'économie. C'est un consensus, donc, via une loterie décentralisée utilisant la preuve de travail. À un moment donné, quand on veut faire des transactions ou des certifications, certifier des transactions, se pose la question de la preuve. Mais quelle est la preuve que vous utilisez? Là, on parle de preuve au sens de proof of work. C'est une signification particulière en informatique, notamment en cryptographie. Si tu es un serveur, je te donne un fichier qui est crypté, et si effectivement tu reviens vers moi après, en ayant trouvé la solution à ce fichier crypté, je vais penser que très probablement, tu as fait beaucoup de travail pour essayer de trouver un certain nombre de combinaisons en fonction de ta puissance de calcul, et si tu m'as trouvé la solution, il est très probable que tu as travaillé, c'est-à-dire que tu as fait tourner ton CPU et ton serveur pour essayer de trouver la résolution à cette énigme cryptographique en utilisant ce qu'on appelle de la force brute, c'est-à-dire multiplier les combinaisons jusqu'à un moment où on trouve la solution. Donc la preuve de travail pour un mineur, c'est ça. Le mineur qui va être élu toutes les 10 minutes pour pouvoir inscrire des nouvelles transactions dans la blockchain, c'est celui qui aura trouvé la résolution donc d'une énigme cryptographique qui est envoyée à tous les mineurs toutes les 10 minutes. Et quand il y a un mineur qui trouve la solution, il écrit un bloc, il prévient tous ses copains, « Hey, j'ai trouvé la solution, c'est moi qui ai écrit le mineur. » Maintenant, on rebelote, on relance une loterie, et donc c'est une loterie généralisée qui a lieu toutes les 10 minutes. Pourquoi loterie? Parce qu'il y a de la chance qui rentre en considération. Mais il est évident que plus vous avez un mineur qui a une puissance de calcul importante,
plus vous avez de chances de trouver la solution à cette énigme. D'où la course à l'échalote en matière de puissance de calcul. Des regroupements de fermes de serveurs, de data centers, qui ont tout intérêt à s'allier, à s'associer, pour avoir une puissance de calcul qui rende encore plus probable le fait qu'ils soient éligibles et qu'ils trouvent l'énigme avant les autres, et donc qu'ils puissent toucher une rémunération, puisqu'il y a une rémunération en Bitcoin à chaque bloc qui est produit dans cette blockchain. Ce que produit la blockchain dans ce contexte-là, c'est un consensus. Moi, je parle de consensus as a service. Vous savez, dans l'informatique, on a beaucoup parlé d'infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service. Là, c'est produire du consensus as a service. Ça peut se retrouver dans plein d'autres activités. D'autres activités sont, par exemple, des systèmes de vote qui pourraient être portés en utilisant la blockchain et qui seront sécurisés. Différents types de preuves aujourd'hui. Maintenant qu'on commence à avoir une petite maturité sur la blockchain, on se dit « Ah, mais il y a ce mécanisme de preuve que j'appelle l'ICPO, qui signifie « proof of work », qui est utilisé dans le modèle de la blockchain du Bitcoin ». Mais on commence à avoir d'autres alternatives qui reposent sur d'autres types de preuves. Notamment si j'utilise une technologie blockchain en interne dans mon entreprise ou dans le cadre d'un consortium où on se fait a priori un petit peu confiance, quel intérêt ai-je à développer des fermes de serveurs qui coûtent très cher si on peut trouver des mécanismes de preuve qui coûtent moins cher? Un autre mécanisme de preuve qu'on voit beaucoup arriver, c'est proof of stake, c'est-à-dire la preuve qu'on détient des parts. La logique, c'est si par exemple je suis sur une plateforme en Bitcoin et que j'ai une part importante de Bitcoin, j'ai aucun intérêt à pervertir le système parce que je serai le premier perdant, c'est moi qui le détiens le plus de Bitcoin. Donc ce sont des alternatives de preuve. Moi, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est la proof of activity qui pourrait être réutilisée dans d'autres systèmes. Notamment, vous avez beaucoup entendu parler du revenu de base ou du revenu universel. Nous pourrions utiliser les technologies blockchain sous preuve de contribution à des travaux divers pour rémunérer... par exemple, les personnes en utilisant cette logique du revenu universel. Donc il y a beaucoup d'activités en ce moment pour essayer d'imaginer de nouvelles types de preuves, pour essayer d'étendre le périmètre d'utilisation de la blockchain. On se retrouve donc avec cet enjeu que j'évoque à chaque fois, c'est fusion de la technologie et de l'économie, et qui met en question les organisations. Cette fusion, je l'appelle la techonomie. Le dernier point, et je terminerai là-dessus avant de passer la parole à Benoît Lafontaine. Dès le début, vous avez vu que cette blockchain, c'est des logs de toutes les transactions et tout le monde a ses transactions. Donc on pourrait dire que la blockchain, d'une certaine manière, c'est une log chain, un enchaînement des logs, des journaux de bord, de tout ce qui se passe et de toutes les transactions. Mais comme il était prévu dès le début par ses fondateurs, on peut, dans le journal de bord, avoir une petite partie sur laquelle il y a du script. Et c'est là que l'imagination s'emballe, puisqu'on pourrait rajouter dans les logs des programmes. Et donc c'est l'idée que non seulement nous pourrions utiliser la technologie blockchain pour faire des transactions, mais pour avoir des programmes qui tournent, qui prennent des décisions. Le petit mot que j'utilisais, c'est je vais expliquer à mon notaire qui va se faire ubériser par la blockchain. Voilà, par exemple. Des contrats de transactions pourraient être portés sur la blockchain et automatiser des transactions, prendre en compte des lois, des contraintes, sur événements, déclencher des choses, je meurs. Une application qui me représente sur la blockchain automatiquement fait les virements à mes descendants en suivant par exemple à la lettre mon testament par exemple. C'est ce type de choses qui ont commencé à un moment donné d'enflammer les imaginations et d'imaginer toutes les disruptions que pourrait apporter potentiellement la blockchain. Je vais laisser tout de suite la parole à Benoît qui va vous présenter suite à ça un état des lieux des technologies, des solutions, si tu veux bien venir, et des challenges qui se posent. Parce que la blockchain fonctionne, mais déjà, le premier challenge, le premier contrainte technologique se porte. Bonjour à tous. Donc, je vous propose effectivement de faire un petit état des lieux et avec cet état des lieux, de parcourir un certain nombre de challenges auquel est confronté Bitcoin et aussi toutes les initiatives blockchain à venir. Donc à chaque fois qu'on parle de blockchain, on est obligé de revenir à la base, donc à Bitcoin. Donc on va y revenir et on va revenir par la fin, par la mort de Bitcoin. Pourquoi la mort de Bitcoin? Parce que cette mort, elle a été annoncée une bonne centaine de fois. On peut aller d'ailleurs sur ce site, 99bitcoins.com, qui recense un certain nombre de papiers, de journaux, qui parle de la mort prochaine de Bitcoin. Donc on peut voir, là c'est les derniers, c'est
d'avant-hier, mais on peut remonter jusqu'à 2010, 2009, voilà, des papiers qui annoncent cette mort de Bitcoin. Donc ce qui est intéressant dans cette mort de Bitcoin, bah, c'est que finalement, elle n'arrive pas. Et c'est bien cette survie de Bitcoin qui valide la technologie blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après 7 ans d'existence, on a un réseau mondial sur lequel il y a à peu près 50 000 transactions réelles par jour. Donc c'est peu par rapport à un système comme Visa ou Mastercard, mais ça témoigne d'une réelle activité et d'une utilisation réelle de Bitcoin. Une utilisation qui aujourd'hui est valorisée à peu près 6 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a une valeur, une vraie valeur autour du réseau, une utilisation. Et ce qui veut dire aussi qu'après ces 7 ans d'existence, le réseau a dû se confronter à un certain nombre donc de scandales qui ont amené justement les gens à dire que ça va mourir, à un certain nombre d'attaques. Mais toutes ces attaques, qui bah, forcément elles seront très lucratives parce qu'il y a 6 milliards de dollars à prendre, des attaques globales, puisque n'importe qui peut avoir accès aux sources, à l'accès au réseau, puisqu'on a dit qu'il était public, ainsi qu'à toute la base de données, donc à tout le registre complet. Donc c'est finalement très, on va dire, facile, avec un ROI plutôt positif pour n'importe quelle personne malveillante, d'essayer d'attaquer ce réseau-là. Et pourtant, après 7 ans, le réseau lui-même n'est pas compromis, la technologie n'est pas compromise. Tous les scandales autour de Bitcoin sont souvent un intermédiaire qui vient se placer entre la blockchain un petit peu compliquée et les utilisateurs, en leur promettant que ce sera beaucoup plus facile d'utiliser Bitcoin en passant par lui. Donc soit les attaquants viennent attaquer cette personne tierce, soit c'est directement cette personne qui était elle-même malveillante. Donc la survie du Bitcoin vraiment valide la technologie blockchain. Et pourtant, malgré cette survie, bah, il y a toujours des challenges. Les challenges sur lesquels, auxquels sont confrontés Bitcoin aujourd'hui. Donc il y en a plus que 4, mais je vous en propose 4 qui me paraissent essentiels. Un, la vitesse. Donc comme on l'a expliqué Christian, un bloc arrive toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que quand on fait une transaction, pour se dire la transaction commence à être validée et prise en compte par le réseau, il faut attendre à peu près 10 minutes. Il y a une heuristique pour être sûr que notre transaction ne va pas être réécrite. C'est d'attendre 6 blocs, donc 6 fois 10, 1 heure. Donc grosso modo, soit vous avez une transaction qui est quelques dizaines d'euros et donc vous vous dites, bah voilà, j'attends quelques minutes et on va considérer que c'est bon. Soit vous commencez à envoyer plusieurs milliers d'euros à l'étranger et là vous avez plutôt intérêt à attendre à peu près une heure. Donc c'est peu si on est en train d'envoyer 1 million d'euros à Singapour. Si on est en train d'acheter sa baguette, ça commence à faire un petit peu long. Donc la vitesse est vraiment un enjeu autour de Bitcoin et des technologies blockchain. Le deuxième, c'est proof of work, parce que c'est effectivement le pilier du système. Mais aujourd'hui, comme on l'a évoqué, bah, ça donne un peu une course à l'armement. C'est-à-dire que si j'ai envie, moi, de gagner un peu plus, eh bien, je m'achète un ordinateur un peu plus fort. Et aujourd'hui, notamment des devices spécialisés, du hardware spécialisé, qui permettent d'aller encore plus vite. Mais quand je vais plus vite, bah, la personne en face se dit, bah, comme je perds, bah, moi aussi, je m'arme. Donc ça fait vraiment une course à l'armement. Et ce qui fait un problème notable sur le Bitcoin, c'est que plus les gens s'équipent, plus il est compliqué pour des nouveaux acteurs de venir mineurs, et certains même sont découragés et donc s'en vont. Or, la puissance de Bitcoin vient de sa distribution. Si on a un seul mineur, finalement on a un réseau centralisé, donc ça n'a plus d'intérêt. Donc plus le réseau est distribué, plus il est sécurisé. Et moins il est distribué, plus il est centralisé dans des mineurs, moins il est sécurisé. Donc ça donne un vrai problème. Deuxième partie, donc c'est la scalabilité. Donc je ne sais pas si vous avez vu un peu l'actualité, mais là, il y a une des nombreuses crises de Bitcoin aujourd'hui, mais qui fait pas mal couler d'encre, c'est que bah, le réseau aujourd'hui arrive à peu près à saturation. Donc la saturation sur Bitcoin à l'état actuel, c'est à peu près 7 transactions secondes. C'est pas beaucoup. Un réseau comme Visa fait 2-3 000 transactions secondes en état initial et dans des pics peut arriver à plusieurs dizaines de milliers de transactions secondes. Donc on est loin d'avoir la même capacité. Et aujourd'hui, ben, le réseau arrive un petit peu à saturation, ce qui veut dire que concrètement, les gens doivent attendre encore un peu plus de temps pour voir leurs transactions être confirmées. Donc quand on parle de Bitcoin comme
la magie de pouvoir faire des transactions gratuites et instantanées, l'instantané commence à tomber. Et ce qui veut dire aussi que si on veut que ça aille plus vite, ben, il faut payer un petit peu plus. Donc là encore, sur la gratuité, ça pose des problèmes. Donc la scalabilité pose un problème aujourd'hui, et surtout, ben, cette scalabilité a été anticipée. Ça fait plus d'un an maintenant que des premières propositions d'amélioration de Bitcoin lui-même ont été faites. Et ben, il y a ce problème de gouvernance, qui est le quatrième point, qui est très très important selon moi. C'est que ben, depuis un peu plus d'un an, la communauté n'arrive pas à s'aligner et n'arrive pas à juste adopter certaines propositions qui sont faites pour améliorer cette scalabilité. Et là, on voit un petit peu le défaut de cette organisation qui est complètement distribuée sur leur modèle open source. Et on voit que même s'il y a des propositions qui sont faites par des développeurs, il faut que les mineurs, eux, acceptent de mettre à jour leur logiciel pour faire que le réseau en lui-même marche bien. Donc ces challenges, ils ont été adressés déjà par de nombreuses personnes qui ont fait des centaines de crypto-monnaies alternatives, qu'on appelle des altcoins. Donc là, il y a un site qui en recense quelques centaines. On peut se dire qu'il y en a encore beaucoup d'autres, puisque tout n'est pas public. Mais voilà, on en trouve quelques centaines. Et c'est intéressant de voir quelques altcoins différentes qui, à chaque fois, proposent une amélioration de Bitcoin lui-même. Donc on parle, il y a la blockchain Bitcoin, il y a aussi d'autres crypto-monnaies qui sont sur des réseaux distribués. Donc les quelques altcoins notables, on va passer un petit peu vite. Litecoin, qui elle est une des premières justement à changer d'algorithme pour faire le proof of work. Ils utilisent un autre algorithme qui permet d'éviter l'utilisation de matériel dédié. Et donc ça permet un plus grand nombre de participer au minage et donc d'avoir un réseau plus sécurisé. Et au passage, ils font des confirmations plus rapides et qui adressent aussi la partie rapidité du réseau Bitcoin. Deuxième altcoin notable, c'est Dogecoin. Dogecoin, d'un point de vue technique, c'est exactement la même chose que Litecoin, dont je viens de parler. Mais c'est intéressant parce que eux, c'était pas d'avoir une philosophie de on va changer de monnaie et puis on va avoir une vraie monnaie électronique. Eux, c'était plutôt d'avoir quelque chose de plus léger. Donc, limite une blague au début, c'est d'avoir monétisé un petit peu le like Facebook. Donc, c'est-à-dire que j'aime bien une photo de chat sur Internet, et ben, au lieu de faire un like, je donne un Dogecoin. Et comme ça, on a une circulation d'une petite monnaie rigolote qui tourne autour d'Internet. Ce qui est intéressant de voir sur cette monnaie, c'est que ben, comme elle était là un petit peu assez rapidement, elle a eu un engouement certain d'Internet. Et aujourd'hui, c'est quand même la septième valeur des altcoins, donc qui n'est pas négligeable. Troisième altcoin notable, Next. Celle-là, elle est notable parce que c'est une des premières à se positionner en tant que plateforme technique pour aller un peu plus loin, justement, que les transactions financières. Donc, pour faire des systèmes de vote, par exemple, ou d'élection, il propose tout un système qui permet de faire ça. Et c'est aussi une des premières à faire le proof of stake, dont a parlé Christian juste avant, donc d'essayer de sortir de cette problématique du proof of work, d'aller un petit peu plus loin. Quatrième altcoin notable, pas tant sur, encore une fois sur la technique, mais sur la valeur qu'elle essaie d'apporter aux entreprises. Bitcoin a longtemps eu une réputation sulfureuse et surtout les institutions n'aiment pas trop cette monnaie parce que justement elle est décentralisée, donc ça fait peur. Ripple, eux, se disent bah, la technologie est intéressante, mais par contre on va avoir un réseau permission, c'est-à-dire il faut montrer patte blanche pour y accéder, donc qui est contrôlé par des acteurs identifiés. Donc forcément, un grand nombre d'acteurs financiers qui s'intéressent à la blockchain se sont penchés sur cette solution. Et aujourd'hui, ça conserve quand même une certaine attractivité. Et dernière altcoin notable dont j'ai envie de parler, qui pour moi est un peu la plus intéressante d'un point de vue technique, parce qu'elle répond à un grand nombre de limites de Bitcoin. Donc l'algorithme, encore une fois, est un algorithme qui est résistant au matériel dédié. Ils ont des solutions internes pour avoir des transactions instantanées, donc qui permet effectivement de payer sa baguette à son boulanger rapidement, sans avoir à attendre 10 minutes au comptoir. Des transactions anonymes. Donc Dash, à l'époque, en fait, ils ont changé de nom. Avant, c'était Darkcoin. Donc on voit un petit peu l'émergence du dark web et de pas mal de choses illicites. Et donc ils étaient très attachés à avoir des transactions anonymes.
Donc je pense que d'un point de vue marketing, ils ont pas mal fait de changer de nom. Et c'est, l'idée de Dash, c'est vraiment digital cash, c'est de remplacer un petit peu le cash, les billets. Et donc on a cette transaction anonyme. Donc l'anonymité, c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc on peut se dire, bah, pourquoi être anonyme si on n'a rien à se reprocher, on peut tout ouvrir, etc. On sait qu'il y a aussi une autre tendance à se dire, bah, on a droit à une vie privée et de faire des choses dont on n'a pas envie de parler. Et Dash aussi, bah, avec son protocole, qui utilise des nœuds un peu spéciaux, notamment pour faire la transaction instantanée, avec ces nœuds un peu spéciaux, permet aussi de limiter la centralisation des mineurs et d'avoir un réseau un peu plus sécurisé, sans avoir cette course à l'armement, etc. Et dans le protocole de Dash, ils ont aussi une réponse à la gouvernance, qui n'est pas comme Bitcoin un petit peu laissée au bon vouloir des gens. À l'intérieur de cette monnaie, ils ont un système d'élection qui fait en partie jouer les mineurs, en partie les nœuds centraux, en partie les utilisateurs. Et donc, ils ont une solution, alors elle n'est peut-être pas parfaite, mais ils ont une solution à proposer sur ce thème de la gouvernance. Donc, il y a des centaines d'altcoins. Là, je vous en ai présenté 5. Ce qui est intéressant de voir aussi, bah, c'est leur classement par valorisation. Est-ce que ça vaut de l'argent? Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais grosso modo, on a Bitcoin qui vaut 6 milliards de dollars. Enfin, qui vaut, c'est-à-dire qu'il y a 6 milliards de dollars en équivalent Bitcoin sur le réseau aujourd'hui. Ceux dont je viens de parler, à peu près, on a Ripple, Litecoin, Dash, Dogecoin dans les 7 premières positions, mais qui sont vraiment très loin. C'est-à-dire que le Ripple dont je vous ai parlé, c'est 200 millions de dollars, alors que Bitcoin, c'est 6 milliards. Donc, c'est malgré le fait que Bitcoin soit ancien et probablement une des moins avancées techniquement crypto-monnaie, bah Bitcoin reste le leader. Pourquoi ? Parce qu'on a un effet de réseau vraiment très important. C'est-à-dire que même si, personnellement, je pense que Dash, c'est plus intéressant, si j'ai des Dash, mais que vous avez tous des Bitcoins, eh ben, je ne peux pas communiquer avec vous. Du coup, ben, je suis un peu tout seul. C'est comme c'est le même problème qu'avec Facebook. S'il y a un nouveau réseau social super bien qui arrive, vu que tout le monde est sur Facebook, eh ben, on a très peu d'intérêt de changer. Donc on a cet effet de réseau important. Et on a aussi le cercle que je vous montre juste à côté, où plus on a d'utilisateurs sur le réseau, plus il y a de la valeur sur ce réseau, plus il y a de valeur, plus les mineurs sont intéressés pour participer. Plus on a de mineurs, probablement plus on a de confiance dans le réseau, et plus on a de confiance, plus on a d'utilisateurs. Donc ces deux effets font que c'est très très compliqué pour une autre monnaie alternative de remplacer Bitcoin. Et il y a aussi l'utilisation de la blockchain pour d'autres usages, notamment des actes notariés directement sur la blockchain Bitcoin, qui, même si c'est un peu considéré comme du piratage par la communauté Bitcoin, bah, cette utilisation alternative renforce aussi la blockchain Bitcoin. Donc, comme vous avez vu sur la classification, bah, je n'ai pas encore parlé d'Ethereum, parce que là, je vous le garde pour cette partie-là. Ethereum, c'est quoi ? C'est bah, la plateforme qui permet de faire des smart contracts, donc, c'est-à-dire d'avoir vraiment la possibilité de faire n'importe quel programme sur une blockchain. Donc c'est à la fois une crypto-monnaie alternative et à la fois une plateforme pour faire tourner des programmes. Donc c'est effectivement la deuxième valorisation. Ça permet d'exécuter des programmes, ce qu'on appelle des smart contracts. C'est vraiment le projet qu'il faut regarder aujourd'hui. Il y a beaucoup d'annonces encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est en train de vraiment de prendre et qui a une vraie évolution. Donc, c'est pas le seul. Il y avait des concurrents, donc Codeus, qui était fait par Ripple, qui était à peu près un concurrent direct à ça. Ils sont beaucoup battus en 2014, et maintenant, Codeus est abandonné. Donc, on ne va pas parler plus que ça. Counterparty, intéressant de mentionner, parce qu'eux, ils se positionnent en disant, bah, on fait la même chose qu'Ethereum, mais sur la blockchain Bitcoin. Donc, eux, ils se sont battus, ils sont en train de perdre, évidemment, mais ils sont battus en début 2015, parce qu'ils disaient, bah, pourquoi essayer de refaire un réseau de mineurs et un réseau d'acteurs, puisque Bitcoin a déjà ce réseau, et avec l'effet de réseau, et bah, c'est plus intéressant d'utiliser Bitcoin. Un des problèmes, c'est que bah, toutes ces utilisations détournées de Bitcoin est plus ou moins bien vues par Bitcoin, par la communauté Bitcoin, qui les considère comme parasites, et bah, des fois, une fois, là, ils ont fait un petit changement. Enfin, la communauté Bitcoin
a changé un protocole, ce qui a poussé Counterparty à trouver un autre petit hack pour pouvoir fonctionner sur cette blockchain. Un autre problème de Counterparty, c'est l'efficacité de tous ces programmes, puisque les programmes sont portés par des transactions. Donc pour schématiser, même si c'est un peu caricatural, à chaque fois qu'on fait une instruction, on fait une transaction Bitcoin. Donc ça peut être un petit peu long à faire. Mais eux se disent full compatible avec Ethereum. Ça peut être intéressant quand même si on a envie de mettre quelque chose en production qui n'est pas très très compliqué, par exemple un nouvel asset et qu'on a envie de mettre sur le marché. L'intérêt, c'est qu'avec Counterparty, on peut avoir un délai, on va dire, à 6 mois pour mettre cet asset numérique sur le marché, pour faire le test, et puis ça peut marcher. Si on est plus plutôt à un horizon 1-2 ans, il est peut-être plus intéressant aujourd'hui d'investir sur Ethereum. Troisième concurrent, entre guillemets, d'Ethereum, c'est Eris. Eris, c'est quoi? C'est Ethereum packagé pour l'entreprise. Leur positionnement, c'est de se dire, Ethereum, c'est vachement bien, sauf qu'ils ont un peu rien compris à l'entreprise. C'est compliqué, c'est trop ouvert, donc nous, on va rajouter une surcouche à Ethereum. Donc ça peut sembler attractif pour une certaine partie des gens. Mais aujourd'hui, vu la jeunesse d'Ethereum, ça paraît quand même un petit peu dangereux de se baser sur une surcouche à quelque chose qui est très mouvant. Donc Ethereum est aujourd'hui la solution à étudier, c'est sûr. Mais ça reste en construction. Ça reste en construction, un peu comme le début du web. Eux-mêmes le disent jusqu'à très récemment sur leur site. En fait, dès qu'on essayait de télécharger quelque chose, ils mettaient ce warning en place en disant « Attention, il va y avoir des bugs, il va y avoir des trous de sécurité, donc avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous d'avoir bien lu tout ce qu'on vous dit. » Autre warning quand on essaie de télécharger un browser de ces applications distribuées, que sont les smart contracts, un warning qui disait carrément « Attention, là, on est en cours de développement. » Donc du coup, si vous voulez faire gagner du temps à tout le monde, si vous n'êtes pas super chaud, revenez plus tard. Ça va vous éviter de perdre du temps, et à nous aussi. Donc ça, ils l'ont toujours mis. Donc c'est quelque chose qui est en construction, mais qui avance. Ça, c'est intéressant de le noter. Donc il y a vraiment, dans la nuit d'hier ou avant-hier, je ne sais pas exactement, après l'annonce d'il y a plusieurs semaines, ils ont mis en production leur release Homestead, qui commence à apporter une première stabilité à cet écosystème et qui commence à répondre aux mêmes problématiques dont j'ai évoqué sur Bitcoin, à savoir la rapidité, tout ce qui est autour du proof of work, donc qui commence à travailler dessus. Donc c'est intéressant de noter que vraiment ça avance. C'est un écosystème encore très jeune, parce que ça c'est les projets phares autour d'Ethereum qui sont proposés par Ethereum, on pouvait la voir sur la page. Donc ça liste à peu près, je crois, 14 applications. Donc sur les 14, il y en a 5 qui sont aujourd'hui en bêta, donc à vos risques et périls. Et la grande majorité qui sont à venir, c'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est s'inscrire sur une mailing list pour avoir des news. Donc ça reste en construction. Un autre site que vous pouvez aller voir, dappsethercast.com, qui recense l'ensemble des applications aujourd'hui listées sur Ethereum. Donc il y en a probablement qui ne sont pas listés là. Et là, on en envoie 161. Donc en vert clair là-haut, c'est tout ce qui est en production, entre guillemets. Vert foncé, c'est tout ce qui est prototype, mais que vous pouvez tester. Donc à peu près la moitié, à vue de nez. En dessous, en orange, c'est tout ce qui est en cours de construction, donc vous ne pouvez pas encore utiliser. Jaune, c'est du concept, juste des idées. Et en dessous, c'est le reste, donc c'est soit ce qui a été abandonné, soit ce qui ne veut pas vraiment communiquer. Donc ce qui est intéressant de noter, plutôt que voir est-ce que c'est en prod ou pas, c'est noter qu'on est dans un écosystème où on arrive encore à lister tout à peu près à la main. Donc aujourd'hui, par rapport au web, où il vous faut un Google et des algorithmes fous, là on est encore dans une période où on est capable de lister l'ensemble de l'écosystème à la main. C'est un monde qui bouge, et notamment aussi avec des acteurs différents, notamment, là c'est Microsoft, qui propose Headbase. Donc c'est la blockchain as a service, basée autour d'Ethereum, au-dessus d'Ethereum. Donc on peut se poser la question à quoi sert une blockchain dont le but est d'être décentralisée, qui serait recentralisée sur un seul provider.
Ça pose des problèmes un peu éthiques. Ce qui est intéressant, en tout cas ce qu'on pense être vraiment intéressant, c'est pour pouvoir tester rapidement des programmes de type smart contract sur Ethereum. Donc on peut les tester facilement. Donc sur tout ce qui est développement, ça peut être une solution intéressante. À voir si elle peut être intéressante après en production, mais ce qui est moins sûr. Autre mouvement des grands acteurs dont vous avez sûrement entendu parler, le consortium R3 qui regroupe 42 acteurs bancaires, donc JP Morgan, Goldman Sachs, Société Générale, BNP, etc. À peu près tout le monde en fait. Donc c'est R3 SEV, c'est une société privée qui fait le consortium R3, qui est à la tête de ce consortium R3. Et ce consortium tente d'explorer des usages de la blockchain, de faire donc des groupes de travail qui réfléchissent aux différents usages, et d'aller plus loin, d'essayer de faire des POC, des vraies utilisations, pour éventuellement mettre en production dans les prochaines années. Donc ils vont, l'ambition est certaine, un engouement de tous les acteurs, aussi basé sur, probablement, une grosse partie sera basée sur Ethereum, en tout cas ça doit être la solution qui regarde le plus. Intéressant de noter que justement la communauté Bitcoin très libertarienne aussi se dit c'est une honte puisque c'est une récupération d'une technologie dont le but était de se passer des banques. Et là, c'est une récupération des banques. Intéressant de voir que finalement, même si c'est un consortium de banques qui n'a pas forcément toujours envie de s'aligner très vite, peut-être qu'ils sauront s'aligner beaucoup plus vite qu'une communauté totalement distribuée, comme peut l'être la communauté Bitcoin, ou le seront les communautés qui se baseront sur Ethereum. Donc peut-être que justement, ce problème de gouvernance peut être adressé plus rapidement par des consortiums de ce type. Je reviens sur les challenges qui sont les mêmes que ceux de Bitcoin dont je vous ai présenté tout à l'heure, mais du point de vue d'Ethereum. Donc le premier, c'est la vitesse. Même si eux ont un bloc qui fait toutes les 15 secondes par rapport aux 10 minutes, on va le voir, ça reste de l'ordre de quelques secondes pour attendre, donc c'est pas quelque chose où si vous voulez des temps de réponse en dessous de la seconde, vous vous dites je vais baser ça sur Ethereum. Rien n'empêche par contre d'avoir un système hybride entre quelque chose qui va très rapide, plutôt sécurisé et centralisé, et après de balancer par exemple des logs de ce qu'on a fait sur une blockchain un peu moins rapide, mais qui va stocker l'ensemble de ce qu'on a fait après. Proof of Work, donc Ethereum travaille dessus. La release la dernière release de la semaine dernière commence à apporter certaines réponses. On voit que c'est vraiment un domaine sur lequel ils sont très actifs. La scalabilité aussi, là, on a des premières briques de programmes qui commencent à tourner un petit peu en parallèle pour essayer qu'à chaque fois qu'on rajoute un nœud, ça rajoute de la puissance au réseau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, si on rajoute un nœud, en fait, il fait la même chose que tout le monde, et tout le monde fait la même chose en parallèle. Du coup, si on rajoute un nœud, ça ne rajoute pas de puissance. Comme peu, si on fait le parallèle avec Hadoop, par exemple, c'est vraiment la promesse d'Hadoop, de l'écosystème Big Data. Chaque fois qu'on rajoute un nœud, on augmente la puissance. Là, ce n'est pas encore le cas, mais leur objectif, c'est de le faire. Sur la gouvernance Ethereum, eux proposent une solution. Ils ont une fondation non-profit, qui se dit un peu à la tête et garante de faire avancer le projet, mais ça reste quelque chose de distribué. Et on va se poser aussi la question, non pas sur la plateforme elle-même peut-être, mais sur les programmes qui sont écrits et qui sont distribués sur cette plateforme-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les 160 applications dont je vous ai montré, il y a aussi certaines applications qui sont directement des arnaques directes. Donc, par exemple, des pyramides de Ponzi, et il y en a qui s'affichent comme ça. Nous, on est une pyramide de Ponzi sur Ethereum, c'est génial. Donc le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fiche parce que c'est des tests, c'est pas grave, voilà. Mais imaginons qu'un jour, on se dise, quand même, des pyramides de Ponzi, c'est pas terrible, et on a envie d'enlever ce programme. Donc déjà, on va essayer de trouver l'auteur. Chose compliquée, puisque c'est quasiment anonyme. Donc même si on retrouve l'auteur et qu'on le met en prison, il y a un autre problème, c'est comment enlever ce programme. Puisque avec cette blockchain immuable, finalement, personne ne peut décider d'enlever ce programme-là.
Donc on se retrouvait dans une situation, on a quelqu'un en prison qui a fait a écrit un programme pas bien, mais avec un programme qui tourne et potentiellement fait du mal à des gens, et sur lequel on n'a quasiment aucun moyen de contrôler. Donc ce problème de gouvernance vraiment va être au cœur des sujets dans les années à venir. Pour finir, c'est un peu cette image-là. Ça, c'est cette image de quelqu'un qui va dans un super champ de poudreuse. C'est un petit peu l'état auquel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que, grosso modo, il fait beau. On voit un petit peu un avenir à 1 ou 2 ans. Mais il n'y a pas grand monde qui est passé. Il y a quand même 2-3 personnes qui sont en train de tracer la voie devant nous. Donc, on ne part pas complètement dans l'inconnu. Mais peut-être qu'on va se trouver devant un petit ravin ou on va se prendre un rocher en route. Mais c'est intéressant de voir qu'on est en train de défricher aussi ces technologies-là. Alors, ça, je vous dis ça, ce n'est pas pour vous dire d'attendre, c'est vraiment, justement, c'est un peu le bon moment, puisque c'est là où on a le plus de plaisir à skier dans la poudreuse, c'est là où on a le plus de plaisir à découvrir des nouvelles choses, et c'est potentiellement là où on aura un ROI un peu significatif, et on va découvrir vraiment de nouveaux horizons. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à Adrien qui va nous parler des usages. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Je suis Adrien Pigeot, je suis consultant dans la division banque assurance de d'Octo et je suis là pour vous parler, maintenant que Christian et Benoît ont posé un peu le décor et vous ont expliqué le fonctionnement global de la blockchain et son écosystème. Je suis là pour vous parler des usages et pour explorer un peu avec vous les potentialités de la blockchain. Alors pour ça, je vais vous parler, encore une fois, désolé, de la blockchain Bitcoin, et surtout des raisons qui ont permis une adoption aussi massive du Bitcoin ces dernières années. Alors on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir à l'année 2007, donc 2 ans avant l'émergence de Bitcoin. En 2007, il s'est passé un certain nombre de choses, notamment à l'été 2007, la crise des subprimes. Alors, c'est un événement assez fort dans l'économie qui a déclenché une grande réaction en chaîne et qui a donné lieu, par effet domino, à de nombreux scandales, notamment celui qu'on a le plus vu en France, l'affaire Kerviel Société Générale, avec une perte à la hauteur de 4,8 milliards d'euros annoncée. La faillite de Lehman Brothers, qui, elle aussi, a fait boule de neige et a provoqué un peu par... qui a aussi entraîné la baisse de l'ensemble des places boursières. L'affaire Madoff, une fraude à hauteur de 50 milliards. Et, en 2009, le scandale UBS, qui est quand même le leader de la gestion de patrimoine et qui, finalement, se fait aligner pour... avoir aidé ses clients à l'évasion fiscale. Donc tout ça, ça a un effet assez négatif sur l'économie, et notamment sur la bourse. On l'a vu à l'époque, le CAC 40 a perdu plus de 50% de sa valeur en moins de 2 ans. C'était vraiment dramatique, et je pense que notre épargne à tous s'en souvient encore. En tout cas, la mienne s'en souvient. Et alors, dans ce contexte de scandale financier, Satoshi Nakamoto, qui n'est pas le monsieur que vous voyez à l'écran, publie un papier qui s'appelle Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Ce papier, il décrit en fait un système qui est complètement innovant et qui permet de créer des échanges monétaires sans état, sans argent et surtout sans les banques. Donc je ne vais pas franchir le pas qui pourrait consister à dire que c'est la crise financière qui a permis l'émergence de Bitcoin. En revanche, c'est bien cette perte de confiance dans l'écosystème financier qui, finalement, a généré une adoption aussi forte. Et ce qui est assez inédit, c'est qu'en fait, on arrive en face d'une technologie, donc qui est la technologie blockchain, la technologie sous-jacente de Bitcoin, qui apparaît comme une technologie de confiance, en remplacement, finalement, d'un mode opératoire traditionnel. Habituellement, on a plutôt tendance à rester sur ses habitudes
et avoir confiance dans des processus qui existent depuis des siècles, et pas forcément sur la technologie qui arrive. Là, finalement, on est sur une adoption quand même assez rapide, et c'est ça qui est très très inédit. Et là où en fait Bitcoin a permis de générer de la confiance autour des transactions financières, en fait, la blockchain, qui est la technologie sous-jacente, peut générer de la confiance sur des transactions non financières, sur des échanges, sur des transferts, comme le disait tout à l'heure Christian. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu, maintenant plus, de revenir en 2016, et de voir un peu l'évolution du monde. Il y a une tendance qui est très très forte actuellement. On dit beaucoup que le monde est en train de devenir plat, que les hiérarchies s'effacent de plus en plus. Et ça a un impact fort sur le marché du travail, notamment avec l'explosion de l'emploi indépendant. En 2013, en France, on avait 700 000 travailleurs indépendants. C'est un chiffre qui a augmenté de 85% depuis 2000. Et c'est une tendance qui n'est pas uniquement française. En Europe, ce nombre de travailleurs indépendants, il a augmenté de 45%. Et ça, en fait, ça va poser des nouveaux challenges. Ça pose des questions pour le travailleur indépendant qui va devoir finalement trouver aussi des moyens d'accéder à son marché, d'être visible et de savoir proposer son offre. Et puis ça pose aussi des questions du côté du consommateur qui, quand il se retrouve à un panel de fournisseurs potentiels très large, va avoir du mal à faire son choix parce que finalement, quelle est la garantie d'une prestation dûment exécutée, d'un niveau de service correctement atteint. Alors, pour répondre à ces questions, il y a déjà des solutions qui existent et on a des nouveaux intermédiaires qui se positionnent et qui sont là pour porter cette confiance entre le consommateur et les travailleurs indépendants. Donc, c'est les fameuses plateformes d'intermédiation. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler ici et je pense que chacun en a déjà utilisé au moins une. Ces plateformes, elles répondent justement à ces enjeux-là. Donc, on le disait, l'enjeu de visibilité. Quand vous louez un appartement et que vous le mettez sur Airbnb, vous avez quand même une vitrine un peu plus sexy et un peu mieux diffusée, finalement, que si vous posiez une annonce sur le Bon Coin. Et puis, du côté du consommateur, il y a des garanties qui se mettent en place, notamment déjà sur le niveau de service. Une plateforme comme Uber impose aux chauffeurs de leur fournir un certain niveau de service, enfin en tout cas d'offrir aux clients un certain niveau de service, et aussi ça donne un moyen aux consommateurs de se retourner vers un indépendant qui aurait mal fait son boulot. Je vous invite à faire l'expérience, si un jour vous êtes mécontent d'un trajet en Uber, de faire un commentaire négatif, vous verrez rapidement qu'on revient vers vous et que si votre mécontentement est réellement fondé, Uber va vous proposer de vous dédommager. Donc on a ça qui est très intéressant pour le consommateur et l'indépendant. Mais pour autant, tout n'est pas rose. Ces plateformes, elles posent aujourd'hui deux problèmes majeurs et on en a eu une illustration assez récente avec Uber. En fait, les deux problèmes que ces plateformes posent, c'est que d'une part, elles prélèvent de la valeur. Alors vous le savez, et c'est le principe de tout intermédiaire dans une transaction. En tout cas, dès lors que cet intermédiaire certifie la transaction, il va prendre une commission. Bon, c'est usuel. Mais en tout cas, finalement, c'est un peu contradictoire avec l'esprit dans lequel on est quand on est indépendant. Et puis d'autre part, ces plateformes, elles décident unilatéralement. En décembre dernier, par exemple, Uber a baissé ses tarifs de 20%. Et mécaniquement, alors, c'est une décision qu'Uber a prise dans sa stratégie, mais pour les indépendants, ça a été une surprise, d'une part, et ça a fait également baisser en cascade le revenu de 20%. Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu contradictoire, finalement, avec l'idée d'être indépendant. Parce que quand on est indépendant, c'est aussi un peu par un souci de liberté, et c'est pas forcément parce qu'on a envie de se mettre, justement, en situation de dépendance vis-à-vis d'un acteur qui va se rémunérer sur notre dos et qui, en plus, va nous imposer son mode de fonctionnement. Alors, nouvel enjeu, comment finalement ménager la chèvre et le chou ? Comment faire en sorte que
on puisse disposer demain des mêmes avantages que ces plateformes d'intermédiation, tout en respectant finalement les aspirations des indépendants. Alors il y a des modèles d'organisation qui existent déjà autour de ça, et qui s'appellent des organisations coopératives. Et on va le voir, la blockchain est une façon de construire des organisations coopératives, parce que les organisations coopératives sont des organisations qui reposent sur la notion de confiance. Alors les deux leviers pour justement garantir cette confiance, vous avez d'une part la notion de registre distribué. Donc le registre distribué, c'est quoi? C'est finalement la possibilité d'avoir une information partagée et certifiée par la communauté. On pourrait dire que c'est un petit peu une illustration de ce grand proverbe qui dit qu'on peut tromper 1000 fois une personne, mais qu'on peut... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et les smart contracts qui, eux, vont représenter la loi. Alors, ça, c'est un concept assez fort. C'est-à-dire que finalement, les modes de fonctionnement des organisations vont reposer complètement sur du code. Et le code, c'est binaire, déjà, d'une part. C'est-à-dire que pour une situation donnée, il va toujours vous renvoyer le même résultat. Et on ne peut pas négocier avec le code. Et c'est ça qui est très très important, en fait, c'est justement que ces organisations coopératives, à partir du moment où les lois sont mises en place, elles sont incorruptibles. Et c'est un principe assez fort qui avait été énoncé déjà il y a quelques années par Lawrence Lessig, qui dit « code is law », donc le code matérialise la loi. Alors, Lawrence Lessig, juste pour resituer le personnage, c'est un juriste qui est très très actif dans la communauté open source, et c'est notamment le fondateur de Creative Commons. Alors, fermons cette parenthèse et revenons maintenant à trois grands cas d'utilisation que nous avons identifiés autour de la blockchain. Alors, je vais illustrer ces trois grands cas par des exemples. Le premier cas d'utilisation que je distingue, c'est ce qui va concerner la certification. Par certification, j'entends valider finalement la pertinence d'une donnée. En tout cas, assurer, garantir la pertinence d'une donnée entre plusieurs acteurs. Deuxième cas, c'est la désintermédiation de tiers de confiance. C'est finalement supprimer des processus, des acteurs qui n'ont pas plus de valeur ajoutée que justement certifier la validité d'une donnée. Et puis, dans l'esprit de ce que je viens de vous expliquer, intégrer la notion de plateforme coopérative, en utilisant la blockchain. Alors, pour illustrer le use case de la certification, on a une belle illustration, qui est une illustration française, profitons-en. C'est une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESILV, qui est située à La Défense, où en fait, on part d'un constat assez simple. Nous sommes en 2016, et en 2016, les diplômes sont encore, dans la très grande majorité des cas, des feuilles de papier. Et un diplôme aujourd'hui, finalement, avec Photoshop, c'est très très facilement falsifiable. Je pense que on le voit aujourd'hui. Enfin, les plus jeunes générations sont plus particulièrement à l'aise avec ce type d'outils. Donc, le bout de papier en lui-même n'est plus vraiment une preuve. Donc, l'idée, c'est d'enregistrer chaque délivrance de diplôme sur la blockchain Bitcoin. Et avec le diplôme, on va avoir une référence qui va permettre d'interroger, finalement via une application, la blockchain Bitcoin et s'assurer que celui-ci a bien été délivré à la personne que vous avez en face de vous. Donc pour l'employeur, c'est une garantie que le diplôme est valide. Et ça, c'est pas de la science-fiction parce que c'est à partir du mois d'avril de cette année. Donc c'est vraiment demain matin. Un autre cas, et alors volontairement, j'ai choisi volontairement UBS, c'est justement un peu dans l'esprit de ce que disait Benoît tout à l'heure, l'écosystème financier s'approprie la blockchain, alors justement, et notamment ceux qui avaient contribué un peu à la perte de confiance dans l'écosystème. UBS a travaillé sur l'émission, et la gestion, le règlement des obligations. Simplement pour situer, tout le process autour d'une obligation, c'est un process qui est quand même assez large, déjà et assez coûteux. Déjà en interne, vous faites intervenir un front, un middle et un back.
Vous avez une société d'asset management, et vous avez des intermédiaires en banque d'investissement, des fonds, etc. L'idée, déjà, c'est de créer une place de marché sur une blockchain, d'une part, mais aussi de faire en sorte que l'obligation qui va être émise est automatiquement réglée quand elle arrive à échéance, et elle calcule automatiquement ses intérêts. Voilà. Donc tout ça, en fait, tout le fonctionnement de cette obligation est matérialisé au sein d'un smart contract. Et ça, ça tire aussi d'autres enjeux, qui sont des enjeux, effectivement, de coûts, de gestion de l'obligation, mais ça tire aussi des enjeux d'efficacité opérationnelle, parce qu'on réduit le nombre d'intervenants, et aussi ça peut réduire le risque qui peut être lié à l'intervention humaine, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup encore de ces opérations qui sont faites manuellement. Dernier use case que je vais vous présenter aujourd'hui, sur la notion de plateforme coopérative. Et celui-là va assez loin en fait dans sa logique. C'est une coopérative de transport qui a été fondée en Israël, une start-up qui s'appelle Lazouz, et qui finalement se situe un petit peu à mi-chemin entre Blablacar et Uber. C'est-à-dire vous allez avoir une application qui va vous permettre de demander un déplacement, mais en fait ce déplacement il va se faire sous la forme d'un covoiturage. Et finalement, on est sur une logique qui est très proche de celle des miners, c'est-à-dire que quand vous allez mettre à disposition une place dans votre véhicule pour faire un trajet, finalement, vous allez générer une monnaie virtuelle qui s'appelle le Zouz. Et ces Zouz, désolé du nom, ces Zouz vont être vous allez avoir la possibilité de les réutiliser finalement avec d'autres chauffeurs qui vont pouvoir vous transporter dans leur véhicule. Donc ça, c'est assez intéressant, mais toujours aucun échange financier, finalement. Et donc on peut se dire, comment la plateforme se construit ? Eh bien, en fait, c'est une plateforme qui est open source. Sauf que la contribution à ce projet open source est rémunérée, elle aussi, en Zouz. C'est-à-dire que demain, un développeur qui va améliorer la plateforme, qui va donner de son temps pour ça, va être rémunéré en Zouz. Le graphiste qui va permettre de revoir le design de l'application mobile va aussi, lui, être rémunéré en Zouz. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment une économie qui est en train de se mettre en place autour de ça, et surtout qui on ne parle pas de transfert financier, mais finalement on achète quelque part de la mobilité. Alors sur ce cas il est très intéressant. Malheureusement, je crains qu'il soit un petit peu au point mort, car on sait que le fondateur du projet a quitté le projet récemment, mais en tout cas c'est un cas qui a fait beaucoup parler de lui. Maintenant, je vous invite à regarder ce cas, par exemple, et puis à faire preuve d'un peu d'imagination. Imaginons, par exemple, que demain, le syndicat des chauffeurs de VTC décide de s'organiser et de contrer Uber, et de dire, voilà, on en a marre de cet intermédiaire qui nous impose ce mode de fonctionnement et nous coûte de l'argent, finalement. Il se rémunère sur notre travail. On pourrait très bien imaginer qu'une corporation comme ça s'organise et crée une organisation coopérative sur la blockchain pour gérer finalement les demandes qui transitent aujourd'hui via la plateforme d'Uber, donc la demande de prise en charge, le calcul du tarif, etc. Et finalement, quand on pousse ça au bout, on peut se dire que la force de la blockchain, ça va être de pouvoir finalement disrupter les disrupteurs, et pourquoi pas demain, d'ubériser Uber. Je vous remercie. Bonjour à tous. Après ces présentations éclairantes, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous faire la démonstration de l'implémentation d'un smart contract sur la blockchain Ethereum. L'objectif, l'idée, c'est vraiment de démystifier ce que sont ces smart contracts. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Ça a l'air d'être des objets magiques. Et on va vous montrer concrètement ce que c'est sur un exemple assez simple et très moderne, puisque ce qu'on vous propose d'implémenter pratiquement, c'est le jeu du Schmilblick sur la blockchain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu du Schmilblick, c'est un simple jeu de devinettes où le joueur doit essayer de deviner quel est le nom d'un objet qu'on appelle le Schmilblick. Donc, au travers de cet exemple, on va regarder un peu quelle est l'anatomie d'un smart contract, comment on le transfère sur une blockchain et comment on peut interagir avec ce contrat.
Donc, d'abord, on va voir l'anatomie d'un smart contract. Donc, quand on veut implémenter un contrat, il y a trois grands points qu'on doit prendre en compte. On doit réfléchir à la partie stockage, la partie données. On doit définir les événements qu'on va implémenter, qui vont être générés dans la vie de notre contrat. Et on va devoir définir les fonctions qu'on va mettre à disposition des clients et des utilisateurs de notre contrat. Donc, par exemple, dans le cas de mon contrat de jeu, les informations que je veux stocker, c'est par exemple quel est le coût que les joueurs vont devoir payer pour pouvoir jouer à mon jeu. Et je vais aussi devoir enregistrer quel est le secret qu'ils vont devoir deviner. Et là, je vais commencer à avoir une première problématique de développement dans la blockchain, c'est-à-dire que je ne peux pas stocker en clair l'information sur le secret que les joueurs vont devoir deviner, parce que tout ce qu'on met dans la blockchain, dans les blockchains publiques, tout est public. Même si vous voulez, par exemple ici on met que c'est public, même si vous ne mettez pas que c'est public, tout le monde a toujours le moyen de regarder dans la blockchain et de trouver l'information. Ce qui fait que pratiquement, dès qu'on veut mettre quelque chose de protégé dans la blockchain, on est obligé de le chiffrer, et c'est ce qu'on fait ici, on ne stocke pas directement l'information, et le chiffrement doit être réalisé en dehors de la blockchain. Donc ça, ce qui est intéressant aussi avec cette partie données, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement je vais stocker les données, les dernières données que je vais devoir manipuler, mais la blockchain va aussi stocker l'historique de toutes les modifications de données qui ont eu lieu durant la vie de mon contrat. Donc on parlait de l'auditabilité, la capacité à vérifier tout. Vous avez ça dans la Bitcoin, toutes les modifications de vos données sont systématiquement tracées dans le cadre de votre smart contract. Donc l'autre partie importante, c'est la définition des événements. En fait, vous allez pouvoir avoir les moyens de notifier des programmes externes à la blockchain de toutes les activités, de tous les événements de la vie de votre contrat. Par exemple, dans notre jeu, on va vouloir notifier dès qu'un nouveau jeu vient de démarrer. On va vouloir notifier dès qu'un joueur a fait une tentative infructueuse et aussi dès que quelqu'un a gagné, ce qui va permettre aux joueurs de savoir, d'avoir des indices sur les réponses qui ont déjà été testées et de savoir quand il y a un nouveau jeu qui démarre. Alors, je vous ai dit que ces événements, c'est pour les programmes externes, c'est un point à savoir. En fait, on ne peut pas avoir un smart contract qui écoute un autre événement, en tout cas dans le cadre d'Ethereum. Ça aussi, c'est pour des questions technologiques. C'est parce que dès que j'exécute un contrat, ça peut générer énormément d'événements après. Je n'ai pas de maîtrise sur l'exécution de mon smart contract. Donc ça, c'est uniquement pour les programmes externes à la blockchain qui vont vouloir être informés des informations sur le smart contract. Le dernier point que je vais implémenter, et c'est le point le plus important, c'est les fonctions que je vais mettre à disposition de mes utilisateurs. Donc là, j'en définis deux. Une pour démarrer le jeu, Start Game, où je vais pouvoir définir le coût d'entrée et le secret. Et une deuxième, où qui va permettre à mes utilisateurs, à mes joueurs, ou même à d'autres contrats, si c'est automatisé, d'essayer de deviner la réponse. On ne va pas rentrer dans le détail du code. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble à de la programmation un peu objet, ce qu'on a vu avec du JavaScript. C'est relativement simple pour des développeurs. Ce qui est intéressant dans la partie fonction, c'est que dans le cadre de ce contrat, je peux appeler par contre d'autres contrats dans le cadre de l'exécution d'une fonction de ce contrat. C'est-à-dire, là par exemple, si jamais il y a un joueur qui a gagné, je vais exécuter une transaction pour faire un virement d'argent, mais je peux également exécuter un autre contrat, ce qui fait que je vais pouvoir construire tout un écosystème de contrats à l'intérieur d'une blockchain avec des smart contracts qui rendent des services pour d'autres smart contracts. Et ça, c'est déjà en train d'arriver, puisqu'on voit par exemple dans le cas d'Ethereum, un smart contract qui offre un service de planification de l'exécution d'autres contrats, ce qui n'existe pas nativement dans la blockchain. Donc, voilà, vous avez vu, on a vu le code qui est assez simple. De manière économique, on fait payer aux joueurs un certain montant qui va alimenter le jackpot que les autres joueurs vont gagner, ce qui fait que ce smart contract va être autosuffisant au niveau économique. Donc maintenant que j'ai ce smart contract, je vais vouloir le transférer sur une blockchain. Donc pour les besoins de la démonstration, on a mis en place une blockchain privée. Donc sur cet écran, en fait, vous voyez un peu, là vous êtes au cœur de la blockchain. En haut, vous avez la liste de tous les événements de la blockchain. Là, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas encore interagi avec la blockchain. Et en bas, vous avez les deux nœuds qu'on a mis en place. Et vous voyez l'activité des nœuds. Et depuis le début, ils ont travaillé depuis le début de la présentation, et même avant, pour rajouter des blocs, créer de nouveaux blocs et allonger cette blockchain. Donc, maintenant qu'on a une blockchain et notre programme,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui est mis à disposition. C'était assez frustre au début, mais maintenant, il commence à avoir des outils un peu plus conviviaux pour pouvoir uploader notre contrat. Donc là, j'ai créé un compte avec, que j'ai alimenté en Ether, qui est la monnaie d'Ethereum, parce que comme il a été dit, tout ce que je fais sur Ethereum, je vais devoir payer un certain montant pour financer l'exécution de la transaction. Et le coût va être en fonction de la complexité de ma transaction. C'est à la fois vraiment pour des raisons économiques et techniques, ben économiques pour rétribuer ceux qui vont exécuter, et techniques parce que ça permet aussi d'empêcher des dénis de service ou des gens qui abusent des possibilités, enfin des ressources à disposition sur la blockchain. Donc je vais aller dans la partie contrat et je vais demander à déployer un nouveau contrat. Donc je vais récupérer mon contrat. Donc là, il va détecter automatiquement mon contrat. Je vais le choisir. Et je vais le déployer. Là, je peux sélectionner un montant à verser. Je peux le mettre un peu plus important si je veux que mon contrat soit pris en compte beaucoup plus rapidement dans la blockchain. Je vais demander à le déployer. Et là, ce qui va se passer, évidemment, comme dans tout développement classique, c'est qu'en fait, mon code va être transformé en instructions qui vont être exécutées sur tous les nœuds de la blockchain, de la même manière qu'un programme Java est transformé en instructions pour être effectué sur une JVM. Ce que vous voyez, ça correspond au code, hein, bien sûr, c'est illisible, mais c'est compréhensible par tous les nœuds de la blockchain. Donc, je vais envoyer ma transaction, et lui, en fait, avec le bon mot de passe, lui, en fait, il va se connecter au nœud de la blockchain et le transférer, cette demande de transaction qui va être diffusée sur tous les nœuds de la blockchain. Et là, on va tomber sur la preuve. Ah bon, ça a été assez rapide, là, c'est dommage. On tombe sur la première problématique, c'est qu'on doit attendre que cette transaction soit prise en compte par un bloc. Donc là, bon, habituellement, c'est environ 12 secondes. Là, j'ai eu de la chance, ça a été pris assez rapidement. Mais ça fait partie des problématiques qui ont été évoquées. Il y a toujours ce délai qui est de 12 secondes, 12 à 15 secondes à peu près pour Ethereum, qui représente à peu près le pouls. Et à chaque fois que j'interagis avec un contrat, je vais devoir attendre à peu près ce délai au moins pour pouvoir être sûr que ma transaction ait été traitée au moins dans un premier bloc. Donc vous voyez que dès que j'ai fait cette transaction pour uploader mon contrat, j'ai un contrat qui est apparu, il y a un événement pour me dire qu'il a accepté ce contrat et lui a donné un identifiant unique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets un nouveau contrat, j'ai un nouvel identifiant. Il faut savoir que même si je mets à jour le code de mon contrat et que je upload à nouveau, je vais avoir un identifiant différent. On a à chaque fois un identifiant unique pour chaque contrat. Donc là, je vais revenir maintenant à la liste de mes contrats et je vais trouver mon contrat. Donc, bien sûr, j'ai fait l'opération plusieurs fois avant. Je trouve mon contrat qui a été correctement pris en compte avec de manière publique les informations à l'heure actuelle, qui sont stockées à l'heure actuelle. Donc maintenant, je vais pouvoir interagir avec et toutes les fonctions que j'avais mises à disposition, elles sont naturellement offertes et publiques pour que n'importe qui puisse interagir avec. Donc maintenant, je vais mettre le secret à deviner. Donc ça, je l'ai chiffré en dehors de la blockchain parce que, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas mettre directement le secret dedans. Et je vais positionner le coût d'entrée à un Ether et je vais exécuter la transaction. Donc là aussi, c'est encore une transaction puisque tout ce qu'on fait, tout ce qui modifie l'état de la blockchain est une transaction qui va devoir être pris en compte par les nœuds de la blockchain et pour lequel je vais devoir payer un certain montant. Donc là, c'est extrêmement rapide. Là aussi, on a de la chance. Et l'événement a été pris en compte et le jeu a démarré. Alors ce qui est intéressant de voir quand même sur cet écran, c'est que mes mineurs là, qui créent des blocs, créent des blocs en permanence, même quand il n'y a absolument aucune transaction. Vous voyez qu'il y a plein, si vous arrivez à lire, vous voyez qu'il y a plein de blocs où il y a marqué zéro transaction. Pourquoi ? Ben, c'est encore toujours ce mélange, c'est pour des raisons techniques, technologiques et économiques, il y a toujours ce mélange des deux notions. C'est économique parce qu'on veut motiver les gens à rentrer dans ce réseau et de cette blockchain Ethereum, même au début quand il y a peu de transactions. Donc il faut qu'ils aient un intérêt à rentrer dedans. Donc là, ils gagnent de l'Ether même quand il y a zéro transaction. Et c'est aussi une raison technologique parce qu'on veut mesurer, on veut produire des blocs régulièrement pour mesurer ce pouls de cette blockchain et l'ajuster pour qu'il soit toujours environ à 12 secondes. Donc maintenant que j'ai lancé un jeu, n'importe qui maintenant peut interagir avec ma blockchain et essayer de deviner. Donc, par exemple, là, je vais essayer plusieurs réponses. Donc là, je vais devoir payer, et je vais devoir payer pour pouvoir jouer au jeu, en plus du coup que je vais payer pour exécuter la transaction. Donc là, on peut essayer plusieurs solutions. Je ne sais pas si vous avez des propositions.
Vous aurez la réponse à la fin, hein, je vous rassure. Et j'envoie mes différentes transactions qui vont toutes être prises en compte dans la blockchain. Donc, ce qu'on peut voir aussi en attendant qu'ils soient pris en compte et qu'on peut illustrer, c'est qu'à chaque fois, vous voyez que les blocs sont traités des deux côtés, en fait. Vous les voyez, il y a d'un côté celui qui découvre le bloc et de l'autre côté celui qui vérifie le bloc. Et en fait, celui qui crée le bloc, évidemment, il exécute la transaction, mais celui qui vérifie le bloc, pour le vérifier, il est obligé d'exécuter la transaction. Et ce qui fait que, comme l'a dit Benoît, en fait, tous les nœuds de la blockchain vont exécuter toutes les transactions. Et on n'est pas du tout dans un aspect distribué. Et pour information, ce qu'on dit, c'est que la puissance de calcul d'une blockchain Ethereum, à l'heure actuelle, c'est un smartphone des années 90, en fait. Donc, c'est pas quelque chose de puissant à l'heure actuelle. C'est quelque chose sur lequel les développeurs travaillent, mais à l'heure actuelle, ça fera partie des limitations, si on pousse trop la blockchain, qu'on atteindra si jamais on la pousse dans ses derniers retranchements. Donc, maintenant, on a vu que tous les événements sont apparus. On a alimenté au fur et à mesure le jackpot. Maintenant, on va pouvoir essayer de lui donner la bonne réponse. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné, mais c'était évidemment la blockchain. Et donc, je vais envoyer ma transaction. Et je vais attendre qu'elle soit prise en compte dans un des blocs. Alors, on va se dire, bon, bah, c'est simple, c'est pris en compte dans un bloc, c'est fini. Alors non, c'est encore un peu plus compliqué que ça quand vous voulez commencer à interagir avec des smart contracts. Puisque si c'est une transaction importante, vous n'allez pas forcément attendre un seul bloc, vous allez attendre plusieurs blocs de confirmation. Pour quelle raison? C'est pour la raison qu'a évoqué Christian tout à l'heure, du fait que, de temps en temps, il y a des bifurcations dans la blockchain, il faut attendre un certain temps pour voir quelle est la bifurcation qui va gagner. Ça ne dure jamais très très longtemps, mais en tant que personne qui interagit avec des smart contracts, quand je veux être sûr qu'une transaction a été correctement validée, je vais devoir attendre un certain nombre de blocs, on attend 5-6, voilà, mais ça peut être plus si c'est une transaction très importante. Donc je vous ai parlé du délai à peu près de 12 secondes, vous devez encore l'allonger du nombre de blocs si vous voulez attendre une transaction importante. Donc ça c'est un point à prendre en compte aussi quand on développe sur des blockchains, parce que ça cause des problèmes en termes de scalabilité. Donc là, vous voyez que j'ai gagné. On a pu montrer voilà, à quoi ressemblait un contrat, comment on l'uploadait dans la blockchain et comment on interagissait avec. C'est relativement simple à développer, comme vous le voyez. Honnêtement, là, sur cet exemple, le plus dur, ça a été d'écrire Schmilblick correctement à chaque fois sans se tromper. Hein, et j'ai fait l'erreur plusieurs fois. Bien sûr, quand on commence à développer des problèmes plus complexes, il y a d'autres problématiques qui arrivent. Déjà, il y a un point qui est important à savoir, c'est que ces smart contracts, ils ne sont pas capables d'aller chercher des informations à l'extérieur de la blockchain. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un smart contract qui va chercher une information sur un site web. Ça, ce n'est pas possible, en fait. Donc, toutes les informations dont a besoin un smart contract doivent être mises dans la blockchain. Donc ça peut aussi poser un certain nombre de contraintes quand on commence à vouloir développer. Par exemple, dans le cadre de notre jeu, on aurait pu vouloir, par exemple, avoir accès à un dictionnaire pour tirer au hasard le prochain mot à deviner. Mais à ce moment-là, il faut que toutes ces informations soient, il faut avoir le dictionnaire stocké dans la blockchain. Ce qui peut aussi poser des problèmes après si on stocke énormément d'informations dans la blockchain. On a aussi des problématiques par rapport à la gestion des données, puisque les données sont liées au contrat. Et à chaque fois que je transfère un nouveau contrat, c'est une nouvelle version du contrat avec des nouvelles données. Donc dès que je corrige des bugs, il va falloir que je gère le transfert des données. Et aussi, on a tout ce qui est la problématique de... Quand il y a des contrats qui interagissent entre eux, comment je garantis que le contrat ne va pas mourir? Comment je peux savoir qu'un contrat a été modifié avec des corrections de bugs et que je dois utiliser une nouvelle version du contrat? Il y a toute une problématique qui arrive quand on commence à monter toute une architecture de smart contract de façon un peu compliquée sur la blockchain. Là, pour l'instant, comme on est au démarrage, c'est des problématiques assez naissantes, mais il est à peu près certain qu'au fur et à mesure qu'on développe de plus en plus dessus, on va avoir de la complexité à ce niveau-là. Voilà, donc par rapport à l'exemple, quel est l'intérêt de mettre un jeu comme ça dans la blockchain? Honnêtement, c'était pour avoir un exemple simple pour la démonstration. Mais par contre, en termes de jeu, ça veut dire que j'ai un jeu qui est entièrement auditable et vérifiable. À la rigueur, je n'ai pas besoin d'un huissier ou de maître à nageur de la Star Academy, puisque tout dans la blockchain est vérifiable et vérifié par tous les nœuds de ma blockchain. Donc voilà pour cet exemple. J'espère que ça a un peu éclairé comment ce qu'était un smart contract et voir que c'est finalement quelque chose de pas si compliqué et magique que ça. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Christian pour la conclusion.
Alors, avant d'avoir cette discussion, bon, vous l'avez vu, c'est pas encore très sec, hein. Surtout sur les aspects les plus science-fiction des contrats qui pourraient remplacer des fonctions qui font de la certification d'une manière générale. Mais ça peut aller très vite, et on sait qu'aujourd'hui ça va très vite, donc c'est quelque chose à suivre de près. On a parlé des organisations qui pourraient se faire disrupter par ce type de technologie. La première, c'est quand même la puissance publique. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une puissance publique ? C'est une formidable machine à certifier. Certifier des identités, des permis de conduire, des diplômes, des achats d'appartements, de maisons. C'est une formidable machine à certification, d'une part. Cette machine à certification, elle fonctionne parce qu'elle a la fiscalité. Pas de puissance publique sans fiscalité. Fiscalité, c'est les rentrées d'argent qui permettent de mener des politiques publiques. Donc, la première institution, entre guillemets, organisation, qui doit regarder de près ce qui va se passer avec la blockchain, c'est la puissance publique, le gouvernement et les États. Ces acteurs-là ne s'y trompent pas. Il y a un mois et demi, j'avais une conférence téléphonique avec des acteurs de la puissance publique indonésienne. Ils me disaient, c'est formidable le Bitcoin, mais c'est monnaie électronique, moi je ne vois pas qui c'est qu'il y a derrière, je ne peux pas préserver la TVA ou n'importe quelle fiscalité, j'ai quand même un petit problème avec ça. Deux initiatives d'ailleurs ont été prises il n'y a pas si longtemps que ça. Une aux États-Unis, Greencoin, qui est une façon de faire du transfert monétaire sur une blockchain qui ne donne pas l'anonymat de l'acteur, de l'acheteur et du vendeur, par exemple. Ce qui satisfait pleinement l'organisation et l'administration américaine. En France, il y a une initiative alternative qui est prise par l'INRIA qui s'appelle le Thaler. C'est une monnaie pour laquelle celui qui achète, l'acheteur, reste anonyme. Mais le vendeur, lui, n'est pas anonyme. Donc on peut quand même collecter la TVA, par exemple. Et c'est une initiative qui a été adoubée par Richard Stallman, le pape du logiciel libre. Et c'est l'INRIA qui l'amène en France. Il y a de vrais enjeux de réinvention de la puissance publique qui vont être à l'œuvre, et une vraie véritable tectonique des plaques qui va être assez puissante. À mon sens, beaucoup plus puissante que telle ou telle entreprise ou tel secteur économique qui peut être disrupté. Donc il est normal que la puissance publique s'y intéresse de près. Si vous-même, après, dans le cadre de vos activités professionnelles ou de vos entreprises, vous souhaitez vous lancer dans la poudreuse, comme disait Benoît, je rappelle quand même quelques fondamentaux. Vous allez partir des tech trends, par exemple celui de la blockchain. J'ai mis un petit éclair parce que la disruption, c'est toujours, toujours la technologie. Il n'y a pas de disruption sans technologie. Si vous trouvez des exemples de disruption qui ne reposent pas du tout sur la technologie, on peut en discuter. Donc, parce que si vous ne le faites pas, il y en a qui le font en votre place. Hein. Ils prennent une technologie, ils disent, voyons, quelle est l'économie, le process que je peux court-circuiter avec ça, et ensuite ils foncent. Ils prennent des parts de marché, et puis après c'est trop tard. C'est les barbares dont on parle beaucoup. Hein. Les barbares fonctionnent comme ça. Je prends une techno, je vois ce que ça touche, j'accélère à fond, je gagne un monopole rapidement, et après je suis irremplaçable parce qu'à cause des effets de réseau. Donc vous devez identifier dans votre activité la blockchain, quel est le process ou l'activité qui est mise en, qui est challengée d'une certaine manière, et derrière vous devez travailler d'une certaine manière. Premièrement, avoir une zone franche. C'est valable aussi pour la puissance publique. Je vous rappelle que la nécessité d'avoir une zone franche pour faire des expérimentations, c'est dans la loi. Il faut aller au Parlement pour demander une zone franche pour pouvoir expérimenter. Par exemple, expérimenter, qu'est-ce que ça voudrait dire, une nouvelle puissance publique qui utilise la blockchain. Si vous n'avez pas de zone franche pour pouvoir intervenir, ce n'est même pas la peine de commencer. Avoir des équipes de corsaires, bien évidemment motivées, qui comprennent au-delà des technologies et qui ont une certaine forme de sympathie ou d'adéquation avec les éléments d'idéologie que j'ai évoqués tout à l'heure. Je ne dis pas qu'il faut chercher des crypto-anarchistes dans toutes les organisations, mais enfin, il faut être sensibilisé à ça, parce que c'est un élément de motivation important pour pouvoir avancer. Je dis corsaire et pas barbare ou pirate. Vous connaissez que la distinction historique entre les corsaires, c'est qu'ils étaient quand même mandatés par le roi. Donc ils avaient un mandat. Faire, ça c'est plutôt la politique que nous connaissons bien, que vous connaissez bien à Octo, c'est la meilleure façon d'avancer, c'est de faire les choses. De démontrer par la technique, un peu ce que nous a fait Yann à l'instant, bon, on veut parler de quelque chose, on montre comment ça marche, quoi. Ça permet d'avancer. Et sortir de l'absence de
de prototypes ou d'expérimentations, parce que c'est là que vous apprenez, bien évidemment. Et avoir des espaces de travail qui permettent de travailler comme ça. Il est là, Olivier Carr, je crois que je l'ai vu. Tu es là, Olivier ? Au fond. Au fond. C'est quelqu'un qui est chez nous qui travaille sur le type de mise en place, ce type de démarche, donc vous pourrez voir avec lui. Bon, la blockchain, elle va évoluer. Elle va évoluer. Si je fais un parallèle à l'industrie automobile, on est peut-être la blockchain d'aujourd'hui, celle du Bitcoin, malgré tous ses défauts, elle a quand même un effet de réseau, elle est incontournable. On va dire que c'est la Ford T des années 1910, où on sent que ça pourrait être amélioré. Vous savez, le moteur, les composants sont encore assez disparates, mais on est vraiment dans une lignée technologique, et on le voit dans les lignées technologiques, il y a ce que le philosophe Gilbert Simondon appelait un phénomène de concrétion. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'histoire du moteur, si vous pouvez voir une représentation de l'évolution des moteurs dans le temps, au début ils sont très disparates, on voit même à chaque objet quelle est sa fonction presque, et dans le temps il y a un phénomène de concrétion, le système technique gagne en efficacité, économie d'énergie, en puissance, etc. On retrouve ce phénomène de concrétion dans la plupart des lignées technologiques, c'est très visible pour les moteurs de voiture, mais c'est aussi ce qui se passe dans les technologies d'information et avec la blockchain. Ce qui fait, par exemple, que moi-même, pour ma première voiture, qui était une 2 chevaux, quand j'ouvrais le capot, je voyais à peu près ce qu'il y avait dans le moteur, quels étaient les composants. Aujourd'hui, n'importe qui ouvre un capot de voiture, c'est totalement intégré, on n'y voit rien. Donc c'est ce phénomène de concrétion qui va faire que la blockchain va rester, mais elle ne va pas rester telle qu'elle est aujourd'hui. Elle va évoluer, il faut suivre ses évolutions. Autre élément qui est assez important, c'est le côté Decentralized Autonomous Organization et Application. Je vous donne un exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Bientôt, nous n'allons plus travailler avec vous. Nous, Octo. Celui qui va nous payer, ça va être les applications et le système d'information lui-même. C'est-à-dire qu'une application va tourner sur une blockchain et elle va rémunérer n'importe quel développeur ou architecte qui corrigera un bug, implémentera une nouvelle fonctionnalité et ça sera un smart contract. Voilà, je veux évoluer, celui qui veut me faire évoluer ou corriger ce bug, le développeur, il le fait et automatiquement, son travail est reconnu, il est viré. Donc nous n'aurons plus besoin de passer par vous. On aimerait que vous restiez encore un peu, parce qu'on a aussi besoin de vous. Mais c'est ça, dans la trajectoire. Ça peut faire peur, parce que c'est une forme de soumission à la machine qui est totale. Hein. Tous les développeurs indépendants qui, finalement, gagneront leur vie. Ah, je vais corriger un bug, je vais gagner un petit peu d'argent sur telle application de telle banque, ou de tel assureur, ou de telle industrie. Et l'organisation de systèmes d'information... va être portée directement par les applications. C'est la notion de fusion que j'évoquais à l'introduction de cette matinée. La technologie et l'économie fait que les applications vont avoir de la monnaie pour rémunérer ceux qui les aident. Ça fait un peu hâle hein, dans l'esprit, mais c'est clairement la tendance. C'est clairement la tendance. Je terminerai sur la métaphore de Benoît. La poudreuse est belle, c'est quand même un bon moment pour s'expérimenter, se faire un avis, apprendre, et peut-être discerner un petit peu mieux les enjeux qui seront très certainement les vôtres, mais comme les nôtres aussi, dans votre secteur d'activité. Merci beaucoup pour votre patience et pour votre attention. Et puis on peut avoir... petite séquence de questions, de remarques, de discussions, si vous le voulez bien. Alors, je crois qu'il va y avoir des micros, et le mieux, ça serait de lever la main, tout simplement, si... vous souhaitez poser une question. Alors, je vais essayer de l'allumer. Comment ça marche ? Une remarque. L'économie, elle est réelle. Je crois que c'était la Banque Santander qui évaluait à l'aune de 2017. C'est des dizaines de milliards d'économies en termes
de coûts de transfert, notamment pour les acteurs financiers. Donc en gros, c'est par exemple remplacer SWIFT. Aujourd'hui, dès qu'il faut faire des échanges entre les banques, on crée ces fameux GIE. C'est à la fois un système d'information, une organisation, ça prend du temps. Et une des vertus de la blockchain, je regarde globalement dans le public parce que j'avais les spots dans le visage, je ne sais pas qui a posé les questions. Donc il y a de réels enjeux d'économie de coûts. Hein. Si, je pense, les acteurs institutionnels et financiers vont sur la blockchain, et les assureurs aussi, c'est d'abord parce que ça réduit les coûts, le nombre d'intervenants, et ça automatise les transactions. Et donc, sans même rien changer au dispositif, juste en remplaçant des GIE ou des dispositifs comme SWIFT par une technologie blockchain, il y a de vrais bénéfices de coûts. Ceux qui y vont d'abord, c'est pour des raisons de coûts. Pour le coup, je réponds un peu à votre question. Après, oui, fondamentalement, on se retrouve toujours avec des... Il y a des fondamentaux qui restent. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, vous avez bien compris que sur la blockchain, l'économie, c'est pour les mineurs de gagner de l'argent parce qu'ils font de la transaction. Notamment parce qu'ils sont récompensés, entre guillemets, parce que voilà, ils ont gagné une énigme, la loterie. Hey, j'ai gagné la loterie, j'ai trouvé. Donc toutes les 10 minutes, il y a un gagnant qui gagne un petit peu de bitcoin. En plus, si vous voulez qu'une de vos transactions, on ne l'a pas dit, mais bon, c'est... si vous-même vous faites une transaction et que vous voulez qu'elle passe vite, c'est comme le pourboire. Vous pouvez laisser un pourboire. Et celui qui, le mineur qui prendra ma transaction, il aura 0,00 bitcoin en plus. Donc ça incite les mineurs à sélectionner peut-être les transactions sur lesquelles il y a du pourboire, en plus de la rémunération qu'ils auront. Donc il y a des logiques économiques qui sont vraiment intégrées avec des enjeux d'architecture. Je suis d'accord avec vous qu'il y a encore plein de questions qui se posent. Mais en tout cas, les manières de les poser sont assez différentes, je crois, aujourd'hui. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu exactement à la question, mais c'est l'intention que j'ai saisie en tout cas. Alors, un premier élément de question, après peut-être Adrien, si tu as des précisions, je ne suis pas du tout un spécialiste des banques centrales, mais bon, il y a des pays où la blockchain, le bitcoin, c'est interdit. Un certain nombre de pays, ils sont nombreux, pour lesquels c'est... En Europe, c'est, pour l'instant, c'est toléré, on va dire. Aux États-Unis, c'est particulier parce que pour eux, ce n'est pas une monnaie. C'est une marchandise. Et à partir de là, bon, ben, il n'y a pas de problème particulier. Pour une banque centrale, bon, vous avez entendu à un moment donné, je crois que c'était il y a un ou deux ans, il y a des alertes qui ont été publiées par les banques centrales européennes. Méfiez-vous, pour des arguments qui étaient un peu fallacieux. Hein, c'est pas très sécurisé. Ça faisait un peu allusion au débat dont se faisait écho tout à l'heure Benoît. Sur la blockchain, il n'y a pas de problème. C'est à la périphérie de la blockchain, parce qu'à un moment donné, il faut rentrer et sortir. Et quand vous rentrez et sortez, c'est là que vous pouvez vous faire les poches. Le scandale de Mt. Gox au Japon, avec finalement c'était un changeur de monnaie en bitcoin, qui part avec la caisse, c'est pas un problème de bitcoin, c'est un problème de change à la périphérie du bitcoin et de la blockchain. Donc la plupart des craintes, des scandales qui ont lieu autour du bitcoin et de la blockchain, c'est à la périphérie, à l'extérieur. C'est toujours une question, comment on rentre et comment on sort. Vous avez vu que cette question se posait avec l'exemple que posait Yann. Vous ne pouvez pas faire des appels à l'extérieur et rentrer pour des raisons de sécurité. Donc la question de la périphérie se pose en termes de modèle d'affaires, en termes d'architecture, d'échange d'informations, c'est une vraie réalité. Après, sur la position des banques centrales, je ne suis pas du tout un expert. Si tu as quelques informations, Adrien, tu peux les préciser peut-être. Oui, en fait, effectivement, la Banque centrale, elle s'est beaucoup intéressée au sujet. Elle a fait un papier dessus de mémoire, c'était en 2013. Pour mettre en perspective, la Banque centrale, elle est complètement disruptée par Bitcoin. Elle perd sa pertinence parce qu'elle ne gère plus l'émission de la monnaie. Donc, elle est forcément méfiante vis-à-vis de ça. En revanche, il y a un point qui est assez intéressant, je pense, aujourd'hui. Ça, c'est que c'est plutôt la régulation qui s'intéresse au mécanisme de blockchain. Parce que finalement, on a aujourd'hui des solutions technologiques qui permettent de résoudre un peu ces problèmes qui sont posés par les enjeux de gouvernance d'une monnaie, d'un marché à une échelle comme le marché européen. Donc, il y a d'un certain côté une position de méfiance.
question ici, là. Bonjour. Pardon. Vous pouvez lever la main parce que je ne vois pas du tout qui parle. Ça. Ok, ça y est. Important de préciser que la rémunération des mineurs, c'est la façon dont on fait tourner la planche à billets. Donc on est bien sur de l'argent qui est généré en bitcoin par le système, qui alimente le système, et qui derrière, c'est la même chose pour Ethereum, c'est un système qui est auto-alimenté. Ethereum va encore plus loin avec le système de gaz. Donc, qui est la consommation qui est faite par le système, et du coup, c'est pour ça qu'il faut payer pour chacune des transactions des smart contracts, etc. C'est que chaque chose a un coût de fonctionnement, en plus du coût en plus de la transaction. Donc, sur tout ce qui est investissement, etc., oui, il y a une partie d'investissement qui existe, qui existera toujours, mais le système, quelque part, est conçu pour être autonome, pour faire tourner sa propre planche à billets. Et ce qui est très intéressant dans le cas du Bitcoin, c'est qu'on a un système qui est fini. C'est-à-dire qu'on sait quelle va être la limite de pièces qui vont être émises et quand elle va être émise, à peu près. Autour de 2140, à, je ne sais plus, 21 millions, je crois. Donc ça pose quand même énormément de questions sur, en effet, le fonctionnement de l'économie, notamment par rapport aux banques centrales. C'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité d'émettre de la monnaie, on est juste en capacité éventuellement de la dévaluer. Donc ça, c'est le premier point. Et juste après, je voulais juste faire une précision. Pour ceux qui s'intéressent au sujet sur Homestead, donc la nouvelle release d'Ethereum, qui n'est pas encore sortie, en fait, qui sort le 14 mars, qui génère un hard fork le 14 mars, c'est juste que les outils, enfin la version compatible avec le futur Homestead a été diffusée. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que le changement majeur, c'est l'arrêt du proof of work pour le proof of stake. Et c'est pareil, on va voir comment ça va fonctionner, mais ça va changer énormément de choses, notamment sur le délai de constitution d'un bloc. L'objectif étant que la constitution du bloc, à terme, soit quasi immédiate. Voilà. Merci pour ces compléments. Donc là, je sais qu'il y avait une personne, là. Ah, il y a le micro. Ouais. Alors, je sais pas si vous... Oui, on entend. La question que je me posais, c'était... Alors, j'ai déjà un début de réponse sur l'empreinte écologique, si on arrête le proof of work sur Ethereum. Parce que l'empreinte écologique, j'en ai pas entendu parler, je sais qu'on est sur une introduction, mais elle est non négligeable parce que ça coûte de l'argent en énergie pour produire du bitcoin et ça va être la même chose sur Ethereum. Oui, c'est une réelle problématique. Hein. C'est la course à l'échalote qui a été évoquée en introduction et après par Benoît. Bon, pour l'anecdote, à un moment donné, chez nous, nous avons voulu mettre en place un mineur, voilà, acheter le matériel pour faire. On a fait la commande. Finalement, on a modifié la commande, on l'a changé, ça a pris un peu de délai, et le temps que le hardware soit livré, il était dépassé. Vous faites une commande, ça arrive, c'est has-been déjà. Donc ça vous donne une idée du rythme d'accélération et de concentration de la puissance de calcul, avec une communauté de mineurs qui se rassemblent, parce que mécaniquement, bon, il y a eu une première alerte, c'était il y a 3 ans, 4 ans, où les Chinois se sont dit, ben, on va prendre la majorité, parce que le principe de fonctionnement, c'est tant que vous avez 51% de la puissance de calcul sur le Bitcoin qui n'est pas accaparé par une personne ou une organisation, le réseau est sécurisé. Les Chinois se sont mis à l'été, il y a 3-4 ans, à dire on va y aller, quoi, parce que les Chinois ils peuvent y aller quand ils veulent. Et derrière, il y a quand même, il ne faut pas occulter, les enjeux diplomatie internationale. Les Américains ont dit hop, 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 hop. Donc on va rajouter la puissance de calcul. Il y a des enjeux d'économie planétaire derrière le Bitcoin qui sont réels en termes de puissance de calcul. Ce qui fait que la communauté des mineurs est très importante. Comme l'a dit Benoît, si vous voulez changer quelque chose au protocole, à la règle du fonctionnement de la blockchain du Bitcoin, par exemple, ben, il faut que les mineurs, majoritairement, l'acceptent. Ils peuvent dire « Non, moi, je n'ai pas envie. »« Ah mince, on a fait un nouveau protocole et vous ne l'avez pas accepté. » Ben ouais, c'est la puissance de communauté des mineurs. C'est une vraie réalité, ce qui pose des problématiques de gouvernance. C'est pas parce qu'on dit aux mineurs, bon, maintenant vous mettez à jour le logiciel, qu'ils vont le faire. S'ils ne trouvent pas d'intérêt, s'ils ne veulent pas, si une majorité ne veut pas, il n'y a pas d'évolution de la blockchain. Ça pose de vrais enjeux de gouvernance. Et les questions que vous évoquez d'écologie, c'est une catastrophe écologique d'une certaine manière.
Et encore, on a vu les montants de transfert de capitalisation du Bitcoin. On n'est pas avec les montants de grands acteurs économiques de transactions financières pour l'instant. Mais si on le devenait, ce serait une aberration écologique par certains aspects. Et c'est une aberration écologique parce que, comme on l'a dit, les questions technologiques sont immédiatement couplées, même dans la manière dont on fait du développement, avec des questions de coûts et des questions d'économie. Mais c'est aussi ce qui fait fonctionner pour le coup la blockchain. S'il n'y avait pas eu ce génie de Satoshi Nakamoto de vraiment coupler les deux, la clé de voûte du système technologique, c'est l'économie. Et c'est ce qui change un peu la donne, mais qui pose les problèmes très concrets que vous évoquez, ça c'est une évidence. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des acteurs qui s'intéressent à différents types de preuves, pas juste la preuve j'ai calculé pour résoudre des énigmes. Une des réponses autour d'Ethereum, donc comme l'a précisé dans la salle, c'est qu'effectivement Ethereum travaille activement sur ce proof of stake, donc par un système de bets, de paris un petit peu, qui au final l'objectif c'est de simuler un petit peu le proof of work sans avoir l'aspect computationnel et donc d'accélérer aussi tout le réseau. Donc l'idée c'est vraiment de sortir de ça, donc il y a des altcoins qui eux proposent déjà des alternatives aux algorithmes en place, et Ethereum qui fait un gros travail en tout cas de recherche là-dessus. Donc c'est effectivement une aberration écologique et partage, enfin cet avis est partagé à peu près par tout le monde et les gens travaillent dessus. Oui, j'ai une question concernant la décentralisation. Donc je comprends bien, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est par exemple j'ai fait le test de certifier des documents, finalement je passe par, il y a plein de startups aujourd'hui, Bitproof, Bitsign, etc. Donc finalement j'ai juste l'impression que avant c'était l'État et que maintenant ça va être un autre acteur. Et puis ben, on voit par exemple quand vous demandez à un stagiaire de 3e c'est quoi Internet, il vous dit c'est Google. Donc la question c'est finalement c'est quoi la blockchain, demain c'est ça Facebook. Sera le... Ça sera le Google qui va certifier. Donc finalement, on va passer de l'État à un autre acteur qui va peut-être, enfin plusieurs acteurs, mais on voit que l'histoire va qu'il y en a toujours un plus gros que les autres. Donc finalement, est-ce que finalement, on ne va pas faire un copier-coller, mais à part qu'on va juste changer de gros, entre guillemets. Ce ne sera plus les mêmes gros. En fait, un des enjeux principaux, à mon sens, dans les années qui vont venir, c'est justement que la blockchain ne soit pas vampirisée par un acteur qui se met en position centrale, parce que finalement là elle perd son essence. L'essence c'est bien d'avoir une information qui est répliquée finalement sur l'ensemble du réseau et sur laquelle finalement vous n'avez plus vraiment la main, elle est immuable. Si vous la modifiez, finalement vous ne la modifiez que chez vous, et quand vous allez chercher à l'auditer en allant chez en allant voir un autre nœud du réseau, finalement vous allez voir que un de vous deux a tort. Là, effectivement, c'est la question, c'est le problème. Si la blockchain repose sur un Google ou un autre acteur qui n'a pas encore émergé aujourd'hui, elle n'a plus de sens. Mais l'idée, c'est bien d'avoir une organisation qui est collaborative, coopérative, alors pas toujours nécessairement au sens coopératif, comme on peut l'imaginer au sens d'une PME, mais comme le disait aussi très bien Christian en introduction, au sens corporatiste. On parlait de Swift tout à l'heure, imaginez juste un réseau complètement distribué, monté par un consortium de banques pour gérer leurs transferts, plutôt que de passer par Swift qui prend une commission sur chacune des transactions. Voilà, c'est cette idée-là qui est forte. Mais si demain, effectivement, on passe par un acteur qui centralise finalement l'accès à la blockchain, à mon sens, on est dans une aberration technologique. Si c'est la réalité, en fait, j'ai du mal à percevoir l'intérêt technologique, finalement, de distribuer l'information si on passe par un acteur central. Ouais, et c'est là où on revient un petit peu à la question de tout à l'heure, c'est que en termes de coût, je pense pas qu'on y soit gagnant. En termes de coût matériel, de coût en temps aussi et en performance du dispositif. S'il y a un acteur central de toute façon qui est le seul responsable de l'infrastructure de blockchain, on est d'accord. Voilà, d'accord. Oui, parce que là, autrement, on perd la confiance dans la blockchain. Alors là, ce que vous voulez dire, c'est que par exemple, il y a des acteurs centrales qui fournissent des services au-dessus de la blockchain, par exemple.
À mon avis, ça va exister. Ça va continuer à exister. C'est juste qu'ils vont utiliser l'infrastructure de la blockchain pour la mise en relation voilà, et la confiance avec d'autres. Oui. Alors attention, la blockchain, là où elle disrupte, c'est là sur tout ce qui est la confiance et la mise en contact des personnes. C'est un endroit où ça va apporter de la différence. Mais il est évident que dans certains domaines, il y a des gens qui vont rester les maîtres d'un certain nombre d'informations. Si par exemple, il y a des informations qu'on doit mettre à disposition sur la blockchain, les certificats par exemple, il y a uniquement l'école qui produit les certificats qui sera capable de produire ces informations. En fait, on passe d'un régime de multiples tiers de confiance à multiples zones de confiance. Il y aurait autant de il y a autant de blockchain que de secteurs d'activité dans lesquels elles peuvent exister. Il y aurait des blockchains dans la banque, il y aurait des blockchains dans les diplômes. Il y aurait comment elles vont cohabiter entre elles? En fait, on peut voir plusieurs scénarios arriver et probablement avec un ensemble de blockchains. Typiquement. Si on se dit que le consortium R3 autour des banques fait sa propre blockchain, donc de façon juste avec des acteurs identifiés, juste pour remplacer Swift, grosso modo, pour être caricatural, on a cette blockchain qui va tourner dans son coin et qui sera indépendante du reste. Ethereum, lui, le réseau public permet d'avoir un petit peu, à l'image d'Internet, quelque chose, une plateforme sur laquelle cohabite tout un écosystème. Donc différents smart contracts qui peuvent aussi s'appeler, etc. Et rien n'empêche à différents acteurs d'utiliser des blockchains différentes, que ce soit basé sur la même technologie qu'Ethereum, mais sur un réseau à part, pour constituer un réseau et offrir une valeur. Si un acteur central se dit, tiens, j'utilise la blockchain de façon privée, un peu comme l'a exposé Christian, juste en sous-jacent, et qui expose après via un site web ou via d'autres services, via des applications, et qui en sous-jacent derrière utilise la blockchain, ça pour le coup c'est assez inutile puisqu'on perd effectivement ce qu'a dit Yann, cette partie de confiance. Ce qui peut vraiment être intéressant pour des chaînes à côté, c'est tout ce qui est effectivement aspect corporatiste, donc différents acteurs qui ne se font pas forcément confiance ou qui ont des intérêts parfois disjoints, qui se mettent d'accord sur un certain protocole au-dessus de la blockchain pour accélérer. Et on peut, dans ce cas-là, avoir effectivement une blockchain pour la banque, une blockchain des assurances, une blockchain des universités, choses comme ça. Ou les mêmes fonctions qui cohabitent sur une même blockchain, que ce soit Bitcoin ou Ethereum. Ce qui peut y arriver aussi pour une blockchain privée, entre guillemets, c'est vraiment quand il y a des grands groupes avec beaucoup de filiales. Ça reste interne, mais à un groupe, au sens où il faut faciliter les transferts entre différentes filiales, différents pays, etc. Ça peut avoir un peu plus de sens. Oui ? On n'est pas très nombreuses, mais en tant que femme dans ce milieu, et j'ai une question à vous poser, c'est comment aujourd'hui, donc vous avez parlé d'expérimentation, de se faire un propre avis, et à titre personnel, je vous remercie pour cette présentation sur un sujet où finalement on en entend beaucoup parler, mais avec des idées fausses, des images, et là je pense que l'image a parfois remplacé les mots, et je trouve ça beaucoup plus parlant. Alors je voudrais juste rappeler que coopérer, c'est se mettre ensemble pour une œuvre commune, et effectivement je vous rejoins que c'est pas forcément dans une image, entre guillemets, j'ai rien contre les coopérations agricoles, mais c'est pas que l'agricole, et je rappelle qu'il y a aussi les coopérations bancaires, donc et je travaille effectivement sur le sujet de la contribution des activités. Ma question est la suivante, comment aujourd'hui, en fait, quel type de travail on peut faire entre d'un côté des acteurs comme vous qui sont très technologiques, et me concernant en tout cas, on va dire, des acteurs fonctionnels, les gens qui ont des idées d'un côté. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'expérimentation? Donc est-ce qu'on doit monter des groupes de travail pour expérimenter, travailler les business models et voir ensuite comment y associer de la blockchain? Donc je voudrais en fait avoir vos conseils pour voir comment combiner au mieux des acteurs technologiques que vous êtes. Voilà, moi, de manière native, je ne suis pas du code. À l'inverse, en fait, il va falloir monter aussi des cas d'usage qui passent effectivement par comment je travaille différemment, parce qu'il y a de l'organisation du travail, il y a une autre manière de voir les choses, et donc faire converger
des acteurs qui peuvent être du secteur, des acteurs fonctionnels, avec la technologie. Donc, quels sont vos conseils? Est-ce qu'on est au stade de l'expérimentation? Est-ce qu'on est au stade où on peut trouver les moyens de faire des prototypes? Donc, je voudrais en fait avoir votre avis sur le sujet. Je dis un mot, tu compléteras. C'est pour ça que j'ai un peu présenté ce dispositif. À un moment donné, il y a quand même des fondamentaux si on veut commencer. La spécificité de blockchain, plus que peut-être n'importe quelle autre technologie, c'est qu'il faut avoir des gens super bons techniquement. Ah, vous en avez un sur on stage avec Yann. Et quelqu'un qui connaît très très bien son métier, son cœur d'activité, les process, etc. Donc vous êtes sur le spectre des compétences entre le très bon tech et le très bon métier. Ça suppose de rassembler des profils qui ne sont pas forcément rassemblés au quotidien. Aujourd'hui, la manière dont nous sommes sollicités, c'est sur des use cases où parfois on se dit « mais ça n'a rien à voir avec la blockchain ». C'est le côté un peu « mais la blockchain a toutes les sauces ». Donc il faut qu'on fasse le tri et qu'on filtre, dit « aucun intérêt de faire ça avec une blockchain, aucun intérêt de faire ça avec une blockchain, ça a un intérêt qui est mitigé, il faut voir, etc. » Donc on est obligé de faire un premier filtre avec les demandes qu'on nous adresse pour dire ben, « c'est peut-être pas utile de mettre de la blockchain là-dedans ». Parce qu'il y a un petit côté, si tu fais pas de la blockchain, tu es un peu has-been, hein, on commence à voir ça. Donc parfois même on peut... Pas grave, je fais quand même la blockchain, j'ai envie de communiquer. Bon, voilà, ça peut être une solution. Mais vraiment, il faut faire travailler des profils très, très différents et très, très hétérogènes. Je n'ai pas de solution miracle, si ce n'est le petit dispositif que j'évoquais à un moment donné, pour pouvoir travailler en zone franche, faire du prototypage, les gens qui sont ensemble, dans la même pièce, et pas on se voit de temps en temps, on s'envoie des mails. Donc c'est le coworking qui est important pour pouvoir faire des hypothèses et apprendre de ces hypothèses et voir ce qui est faisable, pas faisable. Il n'y a pas de baguette magique, il faut s'inscrire dans le temps quand même. Donc, donc la question, parce que vous n'avez pas de micro, vous avez rappelé votre question, comment faire cet attelage? Vous avez parlé de l'agilité, bien évidemment, quand je parlais d'équipes qui travaillent ensemble. Mais la blockchain, le code, il est disponible. Hein. Vous faites un copier-coller et vous l'avez. Yann faisait tourner la blockchain sur son ordinateur. Ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. Hein. Le code, c'est du code open source, en l'occurrence. Donc il n'y a rien qui vous empêche de commencer à travailler chez vous pour voir comment ça marche. Peut-être tu veux préciser quelque chose, Benoît? Après, la question, il y a des acteurs, effectivement, il n'y en a pas plein sur la place. Nous, on commence à se positionner, c'est clair, on est là. On n'est pas les seuls, il y a d'autres acteurs qui le font. Et après, comme l'a dit Christian tout à l'heure, l'idée, c'est plutôt d'aller plonger rapidement dans plutôt du proof of concept, du concret, pour aller voir les limites et voir ce que ça passe. Ça ne sert à rien de réfléchir pendant 6 mois, 1 an sur un use case et regarder s'il est pertinent ou pas. L'important, c'est d'aller toucher les limites aujourd'hui. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut se mettre ensemble et travailler. Hein. Une dernière question, une dernière remarque, je ne sais pas. Bonjour. Vous avez en effet parlé de la capacité de disruption de la technologie s'agissant de la puissance publique. Est-ce que vous travaillez sur des cas d'usage spécifiques? Et je me pose notamment la question de savoir si, en matière d'identité numérique, de signature électronique, de gestion de la preuve électronique, la blockchain est une technologie intéressante. Je m'intéresse beaucoup au sujet de la commande publique, qui est fondée sur le droit public, qui met en avant les prérogatives de puissance publique. Est-ce qu'en la matière, il y a quelque chose à imaginer s'agissant de la blockchain? Je vais laisser Benoît répondre, puisqu'il sait de quoi il parle, là. Oui, alors effectivement, la question d'identité sur la... Je vais répondre au moins sur cette partie-là. La question d'identité et de réputation sur la blockchain est quelque chose qui va être, dans les prochaines années, fondamental. Et on voit déjà plusieurs acteurs se positionner sur... Bah, nous, on vous fait une identité à base de réputation sur la blockchain. Donc là où, aujourd'hui, typiquement, le parallèle avec le secteur du web aujourd'hui, ce serait Facebook qui, finalement, vous certifie l'identité... bien que cette identité n'est pas une identité régalienne, c'est-à-dire vérifiée par les institutions. Mais aujourd'hui, votre profil Facebook ou votre profil Google vous sert d'identité
et c'est votre réputation qui joue sur les réseaux. Là où il y a un parallèle à faire, c'est sur un projet sur lequel on travaille avec le secteur public qui s'appelle France Connect, qui est vraiment la possibilité d'avoir un Facebook Connect, mais avec une identité vérifiée par l'institution, et après diffusable sur toutes les administrations ou toutes les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Et là, il y a vraiment ce lien qu'on imagine, donc on commence à discuter, mais d'assez loin. Il y a forcément ce lien sur comment est-ce qu'on prouve une identité de façon régalienne sur une blockchain, et comment on peut avoir notre personnalité, notre réputation liée à cette identité pour avoir accédé à des informations ou des services autour de blockchain. Mais ça, c'est à peu près le même parallèle qu'on a sur le web. Donc oui, il y a forcément ce lien très fort sur lequel les gens vont travailler d'ici peu. Oui. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de matinée, bonne journée.